Ah! Je suis pas rassuré. Et bonsoir les gens, salut Noah, salut le Sion, comment ça va? Comment va? Vous allez bien? Sinon je repars. Arrête tes conneries, sinon je repars. Ah bah ça y est, à peine arrivé, veut déjà repartir quoi. Ah voilà le soutien, super, merci, ah, bravo. Salut Illy, comment va? Zut, je peux pas repartir. Yo le Delef! Merci beaucoup, ah, on commence comme ça instantanément. Merci beaucoup Delef pour le sub, pour le resub, merci à toi. Cœur avec les doigts, je sais toujours pas le faire, hein, mais cœur avec les doigts. Comment il va mon Delef? Vous êtes prêts pour ce soir? Parce que moi pas du tout, hein. Je vous le dis tout de suite, je suis... Mais alors pas du tout quoi. Vu comme j'ai mangé la dernière fois, j'avoue que... Comment dire, Je suis pas rassuré. Voilà quoi. Hein. Ça va, Yvou? Bah écoute, ça va. En vrai, je suis éclaté, mais ça va. Ça va. Par rapport à l'éclatement habituel, ça va. J'ai fait une sieste à midi parce que sinon, pour ce soir, c'était la mort. Mais j'ai mal aux yeux par contre. Alors, si... du coup, comme il va falloir que je me concentre en plus, je le sens bien. Caporal Noah prête. Ah bah voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je dois bosser mes cours de cinéma et pourtant, je suis là. Ça, c'est beau ça. Ça, c'est beau, Noah. C'est beau. Bah continue comme ça en fait. C'est bien, non? Moi ça me va, hein. En vrai ça me va. Ça me va très bien. Bon, comment vous allez les enfants? Je sais pas du tout ce qui m'attend, hein. Je viens de flinguer... Enfin, on vient de flinguer Undyne. Je me doute bien qu'il n'y a pas tout de suite Sans, hein. Il y a sûrement plein de trucs entre. Donc en fait, dans ma tête, si vous voulez, j'ai essayé... Dans ma tête en fait, je me suis dit, avec un peu de chance, le stream d'aujourd'hui, on va pas arriver tout de suite à Sans. Et du coup, on va passer tout le reste un petit peu du jeu qui est un peu plus calme avant d'arriver à lui. Mais je suis pas sûr. Et ce sera le prochain live où on en chiera. Mais ça, c'est seulement moi qui espère. Hein. Aucune chance de tomber sur Sans maintenant. Je t'avoue que... Voilà, hein, Noah. Ah bah oui, je me doute bien. On va avoir Alfie, on va avoir tout le monde à mon avis. Hein? Mais on m'a dit que les deux combats les plus durs du jeu, c'était Undyne et Sans. Au dernier live, on m'a dit ça. Voilà. Donc ça n'exclut pas d'en chier quand même. Hein. Attention, hein, qu'on soit d'accord. Ça n'exclut pas du tout d'en chier quand même. Seth, c'est le meilleur joueur qui va passer 3 heures sur un Magikarp. Écoute, je rigole, mais en vrai, je rigole nerveusement là. Parce que voilà, j'ai jamais joué à un Pokémon de ma vie, donc je sais pas. Mais de ce que je me rappelle, Magikarp, il est pas ouf. À part son évolution, donc, mais je crois. Hein. Son évolution, je sais plus comment elle s'appelle, là, c'est pas une sorte de Léviathan ou un truc comme ça. Ah voilà, Léviator, merci Noah. Merci. Je suis désolé, hein, moi je suis de la vague DBZ, je suis pas de la vague Pokémon, donc du coup, j'étais déjà un petit peu, entre guillemets, enfin, un petit peu vieux. Pour le dessin animé, du moins, j'étais un peu vieux. Yo le Zazertube, comment il va? Magikarp, à part Trempette, il fait pas grand-chose. T'avais passé Undyne? Oui, j'avais passé Undyne. 5h30, ça m'a pris en live, mais j'ai pas lâché, et je l'ai eu.
Alléluia. Je suis pas Pokémon non plus. Mais en vrai, il faudrait que je m'y essaye un hein, Pokémon. Mais en live, c'est pareil. Je pense que commencer un Pokémon en live, c'est quand même relativement long. On va vite se faire yesh, hein, je pense. Hein. Yo le Astarian, comment il va? T'es de retour pour me jouer un mauvais tour, c'est ça l'idée? Non, c'est chiant en vrai. Ouais, c'est ce qui me semblait, Delef. Effectivement, c'est ce qui me semblait un petit peu que ça, un Pokémon en live, ce serait découverte de Pokémon, ce serait un peu casse-couille. Je me les ferai de mon côté, je pense. J'essaierai de mon côté voir ce que c'est. Si tu joues, ça doit être bien, mais en live, ouais, voilà, on est d'accord. C'est le genre de jeu où... enfin, il se passe pas assez de choses à l'écran pour que ce soit vraiment intéressant pour vous, quoi. Je vais partir si vous continuez à parler comme ça de Pokémon. Non, mais j'ai jamais dit que c'était pas bien, Pokémon Noah. Je dis que j'y ai jamais joué, c'est pas pareil. Ça va, alors prêt pour souffrir plus que d'habitude? Non, je t'avoue que les 5h30 de la dernière fois, je suis encore un petit peu en PLS. Hein. Ils m'ont fait mal, hein. Ils m'ont fait très très mal. Bon, au moins, j'arriverai pas jusqu'à Sans aujourd'hui, c'est déjà ça. En vrai... Bon, c'est pas si mal. David, good enough. Ça me débecte. Ah super, il y a Google version 2 qui est là. Ça va encore me voler mon job. Eh bah écoute Noah, t'as qu'à être la plus souvent. Mais non, mais c'est cool qu'Astarian soit là, ouais. C'est cool. Bah tu sais, vous pouvez faire le wiki à deux, hein. Zazertube aussi m'avait filé un coup de main, Astarian m'avait filé un coup de main, tout le monde m'avait filé un coup de main en vrai. Mais pareil, c'est très chouette, mais quand tu joues toi, quoi. D'accord, ok, bah oui, c'est bien ce qui me semblait dès la fin, hein, je t'avoue, voilà. Alors prépare-toi, car it's a beautiful day outside, birds are singing, flowers are blooming. On a day like this, a kid like you should be burning in hell. Ah, j'ai toujours vu une phrase, mais je sais pas si ça a un rapport avec... si ça a un rapport, en fait c'est une phrase que je vois souvent dans les commentaires sur internet, sur les covers de musique, etc. Mais je suis absolument pas sûr que ce soit en lien avec, avec Undertale. La phrase c'est « It's a beautiful day to die » ou un truc dans le style. En gros, il fait super beau aujourd'hui, pour mourir, tu vois. Je sais pas si ça a un lien avec Undertale ou pas. Ça me vexe de me faire appeler Google. Je suis pas que calé sur Undertale. Ah, mais oui, mais non, mais... Personne n'est plus calé que moi. Pas sûr, Noah. Pas sûr. Je travaille pour pas finir streameuse, moi. Oh l'autre, et ça veut dire quoi, ça, Noah? Ah bah merci, ah bah bravo, alors ça c'est... Alors bah bravo Pour des raisons évidentes, c'est de l'humour. Ouais, non mais c'est bien. Écoute, je sais pas, Delef, c'est souvent sur des covers de musique, de jeux vidéo que je vois ça. Donc j'en ai aucune idée. Par contre, je me demande si tu vas arriver à Sans, parce que en vrai, à part Undyne et Sans, aucun ennemi ne te résiste. Ah bah ça, on verra bien. Non, je rigole, j'ai juste pas le charisme pour être streameuse. Ouais, si, je suis sûr que si, ma petite Noah, tu te dévalorises. C'est pas bien du tout ce que tu fais là. Mais regarde, je veux dire, si moi je peux streamer avec ma gueule, je veux dire, tout le monde peut streamer. Non, je pense pas, je sais pas si j'arriverai jusqu'à 100, je pense pas en vrai. Vu qu'on va faire deux lives, il y a ce soir, et il y a un live qui comme que... Enfin, le prochain live c'est jeudi à 17h. En vrai, en théorie, moi je m'étais dit... avec un peu de chance, ça va se passer comme la semaine dernière. C'est-à-dire, le mardi, j'avance jusqu'à Undyne. Le jeudi, j'en chie. Et cette semaine, j'avance jusqu'à Sans. Et le jeudi, j'en chie ma race, x2. Voilà. T'as vu ma gueule pour dire ça, Ced? Ah bah écoute, je t'ai jamais vu en live. Mais je t'ai déjà vu en photo, mais je t'ai jamais vu en live. Moi, je te follow direct, Noah. Bah oui, mais bien sûr, tout le monde follow direct, Noah, bien évidemment. Noah, elle est gentille, Noah, elle est cool. Mouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te lancer dans le streaming, Noah? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais des lives sur les films, sur le cinéma? Tu fais des lives cinéma, Noah? Allez, va te faire buter, toi, lui, de nous dire des bêtises. Ouais, ça se voit tant que ça que j'essaye de tempo. Merde. Bon, allez, on y retourne. Alors, du coup, on y va. Allez, je suis bouillant. Tu risques pas de me voir en live, j'ai pas de cam. Ah, bah voilà, bah en plus. Allez, let's go. Donc on va passer Zola Zen live. Mais grave, en plus, ça me plairait. Mais clairement, non, mais franchement, je suis entièrement d'accord. Hein. Je suis sûr qu'à des lives cinéma, ce serait trop bien. Tu sais, un peu les anecdotes, des anecdotes de tournage, de machin, etc. que tu peux récupérer sur tes films préférés. Un peu à la manière de ce qu'ils font à le ciné aussi, avec les faux raccords et tous ces trucs-là.
Franchement, je suis sûr que tu fais une chaîne Twitch dédiée à ça. Je suis sûr que ça marche, mais au taquet. Undertale, il est là. Hop. Ah, je pense qu'il y a vraiment un créneau. Ouais. Peut-être un jour, qui sait. Bah ouais. Un peu comme ce qu'il fait aussi. Je sais pas si vous connaissez Tales from the Click. C'est aussi c'est un peu le délire. Bon, lui, c'est plus basé sur les acteurs que sur les films. Mais je suis sûr que ce genre d'anecdote, les gens sont friands et ils adoreraient ça en vrai. En gros, des live DVD features. Ouais, un petit peu ça, si on, parce que t'as pas tout sur les DVD. T'as plein d'anecdotes que tu peux trouver en plus sur le net qui sont liées à des interviews ou des trucs comme ça. Et en vrai, je pense que ça. Il y a un créneau là-dessus en vrai. Hein. Bon, moi, peut-être pas. Non, je vais pas faire reset. Hein. Bon, moi, ce serait pas. J'avais déjà pensé, mais en vrai, voilà, c'est trop de temps de recherche pour. Et puis, je peux pas tout faire sur la chaîne. Hein. Je bosse des cours de ciné depuis 3 ans. Oui, en plus, c'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je te dis ça. Ah tiens, le retour d'Undyne. Non, arrête tes conneries. Arrête, non, pitié. Tu veux vraiment me voir souffrir, toi. Hein. Tu veux vraiment me voir souffrir. Hein. Je joue à la manette, là. Hein. Quand ce sera un combat compliqué, je repasserai sur le clavier souris, je pense, mais... Voilà. Hein. Qu'est-ce qui se dit, là? Bienvenue à... N'empêche, en français, traduit littéralement, c'est très drôle tellement c'est nul. C'est un magnifique jour à l'extérieur, les oiseaux chantent, les fleurs éclosent. Genre, je sais pas comment traduire ça en français. Et un jour comme ça, un garçon comme toi devrait brûler en enfer. Yo, Hi-Faz, comment elle va? Comment elle va, la bro? Comment elle va, la bro? Ah, là, forcément, y a pas sens, là, forcément. C'est tellement... Putain, la version... Enfin, quand on est en mode génocide, c'est tellement oppressant, pas de musique et tout. C'est une fontaine à eau. Prends un verre d'eau, oui. Vous prenez un verre d'eau. Voilà, très bien. La chaleur a fait évaporer l'eau dans du verre. Le verre, lui aussi, s'est évaporé. Ah bah bravo. Bah du coup, on va sauvegarder là. Il en reste 40. Ok, donc on a 40. Ah bah ça va. Non, mais ça va, on est tranquille, ça va. Aujourd'hui, on va devoir tuer 40 monstres d'abord. Ça va être bien. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... On peut rentrer directement chez Alphys. Cours. Par contre, je sais pas où se déclenchent les combats, peut-être en bas. Ah, ok, donc il y a bien la mort qui nous permet de repartir en arrière. Tout va bien. Comment ça va ici? Bah écoute, ça va bro. Ça va, Hi-Faz. J'ai fait une petite sieste à midi, sinon j'aurais jamais tenu ce soir. Ah, je peux pas passer, il faut vraiment... Ah, je suis obligé d'aller chez Alphys, quoi, ok. Mais ouais, j'ai fait une petite sieste tranquillou, histoire de me requinquer, comme dirait l'autre. Et ça devrait le faire ce soir, ça devrait le faire. Il y a des chansons comme ça, genre le feu ça brûle et l'eau ça mouille, tous les oiseaux chantent dans le ciel, au secours! Ça va plus vite au noyau, sinon tu peux faire un détour pour voler les restes de bonhomme. Ah, ouais, ça va, Hi-Faz. Je rigole quand je dis bro. Faut pas le prendre mal. C'est moi, c'est doux. Bah oui, c'est moi, c'est doux. Non, je n'ai pas changé. C'est une poubelle, mais elle est plutôt mignonne. Alors attention. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. Ah bah oui, forcément. Métatron, c'est ça? Je me rappelle plus du nom. Ah, te voilà enfin, petite saleté. Il semble que tu aies vraiment mis la pagaille dans le coin. Une telle infamie ne m'impressionne. Enfin, tu m'impressionnes. Ah oui. Si c'est Alphys que tu cherches, elle n'est plus ici. Tandis que tu t'occupais de ta... besogne. Elle en a profité pour évacuer les survivants en lieu sûr. Tout le monde est désormais à l'abri hors de ta portée. Elle refuse de t'affronter. Ah, c'est vraiment la seule personne sensée ici, pas vrai? Métatron! Et quoi? Oui, bah ça va, j'ai fait exprès, donc calme-toi. Pense aux nouilles dans le frigo. Ah! Bah j'ai peut-être loupé le frigo alors. Hein. Tu peux l'appeler bro. Moi je l'appelle mec. Ou frère. Oh putain. Pardon, je suis désolé. Comment elle va, Kitty? Comment elle va, la Kitty? Ce qui est faux d'ailleurs. Bah oui, c'est sûr que c'est faux. Kitty, merci de débarquer, j'allais le dire. Je plaisante. Celui à côté. D'accord, celui qui est juste derrière, là, on est d'accord. Juste derrière moi qu'on voit à l'écran. Oh, en voilà des manières. Tu meurs d'envie de te jeter sur moi. Je me trompe? Eh bien, dommage! Ce monde a besoin de stars, pas de cadavres supplémentaires. Ciao, ciao! Ah bah bravo. Bah si, je t'ai salué! Je t'ai salué, Hi-Faz, arrête tes conneries! Oh l'autre, elle va me faire une crise de jalousie, ça y est, c'est parti, quoi. Le réfrigérateur est rempli de nouilles instantanées et de soda. Voulez-vous prendre un paquet de nouilles? Bien sûr. Je suis crevé, mais ça va, lol. Donc, stream détente pour moi. Ouais, pour moi, ça va l'être un peu moins, a priori. Vous obtenez des nouilles instantanées, nickel. Alors qu'elle sert à rien.
Ah putain! Au secours! Ah, pas pour moi, c'était le sion, d'accord, ok. C'était pour le sion, j'imagine. Attendez, du coup c'est fermé là, j'imagine. Ouais, ce panneau indique les toilettes. Là, y a rien. On peut grimper quand même. Mais je pense, je sais pas s'il y a quelque chose à récupérer. En vrai. Une substance rose et visqueuse dégouline de cette machine. Bon appétit, bien sûr. Une substance rose et visqueuse, donc c'est toujours sur la même machine. Ah, pas trop loin. Toi. On dirait la table de travail d'Alphys. Elle semble poussiéreuse. Ouais, elle branle plus rien. Hein. La garde-robe est remplie de blouses de laboratoire sales et une seule robe propre. Ouais, je sais pas s'il y a quelque chose. Hein. C'est une lampe avec des pois, des poissons roses sur l'abat-jour. Il n'y a pas d'ampoule. Hein. Voilà une invention incroyable. Quand il n'est pas utilisé, ce lit se transforme en boîte extrêmement facile à dessiner. J'adore ce truc. J'adore ce truc, putain. Putain. Ça va bien, bien, bro. Mais t'es déjà rentré ou t'es dehors, toi? Ah putain, ils sont déjà en train de parler IRL. Ok, ça marche. Très bien. T'as rien fait, t'inquiète. Je suis dehors. Enfermé dehors. Comment ça t'es enfermé dehors, Delef? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es enfermé dehors, Delef? La porte, t'es allé chercher le journal et la porte s'est claquée derrière toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, ça va pas en scène, mort de rire. Non, non, c'est une blague, tout va bien. Ah, j'y ai cru. Au secours. Volcalin se balade par ici. Ah bah voilà, parfait, on doit en tuer 40, alors. Au bout d'un moment... J'étais parti 5 minutes, pas de soucis, Azirtioup. Seb, je sais même plus lire mon propre prénom, c'est bon, ça. Seb, t'auras du mal à nous suivre ce soir. J'ai l'impression, hein, film du... Oh, putain. J'ai l'impression que, ouais, ça va être compliqué, hein, les enfants. Hein. Bon, moi, j'avance, hein, dans mon truc, et puis je vous lis de temps en temps, hein, parce que... Hop là. Alors, ok. Ah, il y a un peu de musique, ça change. Putain, 40 monstres à tuer, ça va être long en vrai. Hein. Non, je me corrige pour refaire une faute. Il en reste 39. Ouais. Ah, un autre monstre, allez. Thunderplane se met sur le passage, c'est pas du tout voulu. Hein. Allez. Ah, j'ai loupé. Oh, je l'ai pas tué du premier coup. Cours. Oh putain. Oh là 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 là. Je viens de voir un petit peu mes réflexes là de ce soir. Ça va être bon ça. Ça va être très très bon. Yo le flyer, comment il va? Il va bien? Ah, écoute, ça va, ça va. Je me dis qu'on va pas tomber sur Stan ce soir, donc je suis un peu plus rassuré, je suis un peu moins en flip, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Tout est ok. Ok tiers. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ok. Alors, attendez, je vais quand même voir ce qu'il y a à droite là d'abord. Je sais plus. Mais sinon ça va, ouais, tranquille. Parce que Sans, enfin, je sais pas si t'as déjà fait le jeu, je me rappelle plus, je t'avoue, Flyart, mais... En gros, Sans, c'est le deuxième gros boss du jeu en mode génocide. Ou en gros... En gros, c'est pire que Undyne, quoi. Ok, ok, ok. Ok, c'est pas ça. Donc, j'avais un peu espéré que le temps qu'on y arrive ce soir, ça va, ça irait, quoi. Surcoté comme boss. Non, mon skill. Je pense que c'est mon skill que vous surcotez, les potes, hein. En vrai, hein. Je pense que c'est clairement mon skill que vous surcotez. Une poêle. Une poêle à frire par terre. Voulez-vous ramasser cet objet? Bien sûr que je vais le ramasser. Undyne easy comme boss. Putain, je vous déteste. Je vous déteste. J'ai que mis... Ça va, hein, j'ai mis que 5h30, ok? Et là, je viens de nouveau de louper le truc. J'ai mis que 5h30, en vrai je trouve que c'est une bonne perf. Mais putain, je suis un débile. Ça commence, ça y est, ça commence. Mais attention, ça change rien en vrai. Que le truc que je peux pas descendre, ouais. Donc ça change strictement. Ouais. Bon, je lurk, le temps de rentrer, pas de soucis. Pas de soucis. Allez, let's go. Tu peux décrire le jeu pour un blaireau qui passe comme ça? Ouh, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, Delef. En gros, c'est un RPG bourré d'humour, avec un système de combat bien à lui, bien particulier. Mais en vrai, comment t'expliquer? Là, si tu veux, je suis en train de faire ce qu'on a... Il y a trois routes possibles dans le jeu. La route, ce qu'on appelle la route normale, hein, voilà. T'as la route pacifiste, et tu as la route génocide. On a déjà fait la route normale et la route pacifiste. Donc là, j'attaque la route génocide, où en gros, le but pour moi, c'est de buter tout le monde, voilà. Et donc, comme je disais, c'est un RPG. Au tour par tour.
Avec un système de combat bien particulier, mais je veux pas trop t'en dire sur le système de combat parce que ça te spoilerait quelque chose d'intéressant. Voilà, ça te spoilerait quelque chose d'intéressant au niveau du gameplay, donc si tu comptes le faire, ce serait dommage de te spoiler ça. Je reviens ici un petit quart d'heure, il faut que j'aille me laver les cheveux, je suis pas là dans 20 minutes. Ben, tapez-moi. Ça marche, Noah, ça roule. Yo, le chatillon, comment va? Et ce qui est surcoté, c'est passer 5h30 à le tuer, ça va. Hein. Mais voilà, et c'est un jeu qui a été fait par Toby Fox, qui actuellement travaille sur Deltarune. C'est pas vraiment une suite, c'est plutôt une histoire alternative par rapport à ce jeu. Mon spectateur, c'est bon ça. Ouais, c'est cool, ça fait super plaisir les potes, hein. Merci énormément de votre soutien. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Alors attendez. Comment il va le chatillon? Salut, ça va et toi? Écoute, ça va, on est en route génocide si jamais tu connais le jeu. On a passé 5h30 la dernière fois. Ah, il a terminé Deltarune? Deltarune? Je sais pas, parce qu'il y a le deuxième chapitre qui vient de sortir seulement. Ouais, tu connais le jeu? Écoute, voilà, on a déjà fait la route pacifiste et la route normale, et j'ai une vieweuse qui s'appelle Noah, qui est donc partie se laver les cheveux, là, qui m'a lancé en me disant « Allez, vas-y, fais la route génocide, s'il te plaît !» Et donc, la dernière fois, on a passé, sur un stream, 5h30 pour tuer Undyne. Je t'avoue que je suis un peu encore en PLS, voilà. Non, il raconte... Alors, deux chapitres sur 7. Oui, c'est ce qui me semblait. Il vient de sortir, en fait, le deuxième chapitre. C'était drôle, lol. Ça dépend pour qui. C'était une joke, mais pas grave. Si t'as pas saisi, elle est nulle de toute façon. Qu'est-ce qu'il s'est dit encore, là? Ah, attendez, faut que je regarde ce qu'il s'est dit, là, sur la vanne de Astarian. Qu'est-ce qu'il racontait encore? Ou alors, c'est quelqu'un d'autre qui a fait une vanne. Pense bien à garder la poêle. Il me semble qu'elle sert... Faut faire cuire les nouilles instantanées comme... comme Sans, s'il esquive tes coups, tu t'en fous d'avoir une meilleure attaque. Ok, d'accord, bah génial, ça promet déjà, très bien. Je suis chaud patate. Pour nous, c'était drôle. Ouais, ouais, bien ce que je dis. C'est très... Ah bah, c'est déjà fait, en fait, ce truc-là. J'ai pas besoin de me faire chier. Je connaissais pas, moi, il y a déjà le deuxième chapitre. Ouais, et voilà, c'est ça, il y a deux chapitres. Le deuxième vient de sortir, si je dis pas de conneries. Et donc, il a prévu d'en sortir plus. Actuellement, c'est en stade de démo, de ce que j'en ai lu. Donc voilà. C'est la première fois que tu passes sur le live, le chatillon? Ah putain. Les fameux « Te voilà ». Donc ça veut dire qu'Undyne, elle est... Genre, Undyne... On va te venger. Allez, c'est mardi. Je vais chercher à manger, je reste en l'heure, bien sûr. Merci beaucoup, Kitty. Des gros bisous à toi. Ah non, plusieurs fois. Ah oui, d'accord, ok. Non, bah, c'est juste moi qui fatigue. C'est moi qui fatigue, excuse-moi. Je savais que le nom me disait quelque chose, mais j'étais plus sûr, en fait. Oh putain, mais je l'ai dégommé, en fait. Oula. 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 Oh, c'est chaud, ça, en fait, à esquiver. Ok. Et donc, voilà, là, on attaque démo, il est bien complet pour une démo. Oui, mais c'est ce qui est précisé. Alors, attention, c'est rien, hein. Je dis pas que, voilà, le jeu, il est pas bien. Alors, enfin, le jeu est court, donc c'est une démo. Non, non, c'est ce qui est précisé sur Steam. C'est-à-dire que j'ai voulu mettre Deltarune dans ma wishlist pour savoir quand il sera complet, quand quelque chose sort. Mais en fait, sur Steam, c'est précisé, bah tu peux le mettre dans ta wishlist, mais en dessous, c'est marqué démo chapitre 1 et 2. Voilà. Ça m'étonne pas, les humains, ils vont gagner. Ils ont gagné. Bah oui, non mais c'est ça. Bon appétit, bien sûr, Kitty, bon appétit, bien sûr. Mais c'est toujours, entre guillemets, au stade de démo, et c'est gratuit, Deltarune, de ce que j'ai compris. En tout cas, sur Steam, il est gratuit. Bon, là, normalement, c'est la recette de cuisine avec Metatron, mais apparemment, il n'y a pas. Et du coup, est-ce que je peux récupérer quand même quelque chose? C'est collé à la table. Je sais pas si je peux récupérer, du coup, quelque chose ou faire cuire les pâtes, genre... C'est un four, il semble être au goût du jour. C'est ta micro-ondes. C'est super si on est fan de micro-ondes. Ok, très bien. Là, il y a une part de quelque chose, non? Je peux rien prendre. Genre... C'est un évier de taille spécifiquement normale. C'est un vrigo. Il est étonnamment chaud. Bon, bah, y'a rien, hein. Metatron. C'est ça, Metatron. Au secours. Micro-ondes qui, au final... Ouais, bah oui, bien sûr, bien sûr. 35 encore, il faut que j'en tue. Eh ben, nous voilà bien. Mais les combats, ils ont pas l'air de se déclencher souvent, hein. Ouais, gratuit partout. Enfin, je sais pas pour les consoles, je sais juste que c'est sur Switch. Alors, sur Switch, il est gratuit, ça, c'est sûr. Sur Steam, il l'est également. Hein, c'est aussi gratuit sur Steam, ce que je suis allé voir, du coup.
Et je crois que sur toutes les plateformes, en fait, Deltarune est gratos. Par contre, il met beaucoup de temps à sortir les chapitres. Hein. Il met énormément de temps à sortir les chapitres. Hein. Ah, gratuit partout, voilà, c'est ça. Merci Astarian. La confirmation. Il a pris 3 ans pour passer du chapitre 1 au chapitre 2, si je dis pas de conneries. Ah, attendez, c'est fermé. Ok, voilà. Là. Ah, donc ça veut dire vraiment... enfin, il me bloque. Ok. Ah oui, donc là, on arrive de nouveau à l'endroit. Ok, ça marche. Ça roule. En fait, quand t'es en route génocide, comme tu butes pas mal de monde qui sont censés être dans l'histoire principale, j'ai l'impression, alors vous me dites hein, si je me plante, mais j'ai l'impression que du coup, il y a beaucoup, beaucoup moins de contenu. C'est juste que les boss sont beaucoup, beaucoup plus durs pour compenser bah, le contenu que t'as en moins, quoi. Ok, L. Alors, left et droite. En vrai, j'ai jamais regardé Deltarune, même si je suis fan de Deltarune parce que j'aime pour... Ah ouais, d'accord, ok. Après, comme j'en ai déjà parlé, il faut pas prendre le chapitre 2 comme exemple. Oui, je sais pas pourquoi il a mis autant de temps. Est-ce que vous savez, vous, pourquoi il a mis autant de temps à sortir le chapitre 2 ? Fan de Undertale, d'accord, ok. Ouais, ok, j'avais compris, chaton. Je me disais aussi, ça me paraissait bizarre ta phrase. Hop, ok. Alors je dirais bah droite 2, je l'ai pas fait. Il a donné un peu une explication du pourquoi il a mis autant de temps à le sortir. Le chapitre 2. Putain, en fait, je peux aller nulle part. Oh. Gauche 3, du coup. Ça m'intrigue. Il a eu des soucis de moteur de jeu, notamment. Ah, il a dû changer le moteur. Que je crois que sur celui-là, il l'avait fait sur... comment il s'appelle ce moteur de jeu encore ? Game Maker, non ? Un truc comme ça ? Il n'avait pas fait ça, celui-ci sur Game Maker ou un truc du style ? Oh, les araignées. On dirait une sorte de bracelet de force. Ah, c'est vrai, c'est pas un croissant. Il voulait changer... Ouais, bah voilà, c'est ça. De Game Maker, par exemple, mais ne savait pas... mais n'avait pas le résultat escompté. Ah ouais, donc s'il doit refaire tout le moteur, entre guillemets, de son jeu, pour que ce soit en plus raccord au niveau du... entre guillemets, au niveau du gameplay, pour que ça reste quelque chose de très très proche, voire identique à ce qu'il a fait sur un autre moteur. Refaire le truc, au secours! Il a eu plein de galères extérieures au jeu, en lui-même, genre chercher des gens... Ah ouais, d'accord, ok. Un arachnologue qui semble un peu plus caoutchouteux que d'habitude, bon, ok. Ouais, sans compter le Covid. Après, le Covid, par rapport au développement de jeu, c'est pas trop embêtant, entre guillemets. Hein. Honnêtement, il faisait ça à la maison, hein. Mais respect au bonhomme. Ah bah oui, non mais Game Maker, c'est pas simple aussi. Ouais, j'avais déjà utilisé un petit peu Game Maker. C'est vrai que c'est pas... La logique, elle est pas ultra pratique, je trouve. Je la trouve pas forcément ultra pratique. Merde, pourquoi je fais ça? La logique du moteur. En vrai, moi, comme je viens un petit plutôt du C et du C++, automatiquement, tous les moteurs qui sont un peu plus axés là-dessus, je suis... Yo, le Dakar! Je suis un peu plus, à l'aise sur Unreal Engine ou ce genre de choses parce que bah, le moteur a vraiment une logique de C++, quoi. Bon, bah, je crois qu'on est parti pour... j'ai Game Maker, j'ai fait un fan game perso. Ah, trop bien. Sur un mode difficile d'Undertale. Bah, c'est stylé, ça. Oh, le dagger, il se refollow. Merci, bro. Merci, bro. Comment il va? T'as nouveau internet de ce que j'ai cru comprendre? Enfin, je sais pas si t'as internet, mais en tout cas, je t'ai vu jouer à New World, donc je me suis dit que t'avais internet. Ou alors t'es parti chez les voisins, j'en sais rien. Bah, t'étais en train de jouer à New World. Me dis pas que t'as foutu ton téléphone en 4G pour jouer quand même. Au secours. Alors, me fait très bien, mais surcoté, genre quand t'as tous les autres boss à côté. D'accord. Okay. Je crois que là, ça va être le premier boss de la soirée, hein. Vous avez entendu la dame, vous autres? Apparemment, un humain en pull rayé se dirigerait par ici. Ça coupe toutes les deux secondes. Ah merde, fais chier d'ailleurs. Je suis désolé pour toi, du coup. Tu pourrais le poster, c'est intéressant en vrai. Ouais, carrément. Carrément, Astarian, je me disais, c'est vrai que j'ai pas pensé à te le dire, mais n'hésite pas à rejoindre le Discord. Il y a une partie justement dédiée à tous les. Ben, à tout ce qui est.
art, vos créations, que ce soit musique, ce que tu veux, n'hésite pas à le poster en vrai. Moi, je serais super chaud de voir ça. Hein. N'hésite pas à rejoindre le Discord et à le poster en vrai. Non, espère pas l'avoir avant les 7 prochaines années. Oh, allez! La mort de me fait de... tu l'as diffusé quelque part. J'ai toujours la connexion de Free. Elle n'est pas encore coupée, mais elle coupe tout le temps. Donc, full déco sur New World. Le 14, la ligne orange. Ok, ça marche. Ça marche. Merci pour le point d'exclamation Discord. Il est à peine entamé. Tu risques de te faire chier. Mais en vrai, c'est pas grave. Moi, je suis quand même super, toujours super curieux de ce genre de choses. Parce que moi, ça fait des jeux. J'en ai fait plein, entre guillemets, que j'ai jamais sorti. Que j'ai jamais aussi fini, hein, souvent. Moi j'ai commencé à la base, tout à la base, hein, j'ai commencé sur RPG Maker 2000, bah, dans les années 2000 du coup, à peu près. Ensuite je suis passé sur d'autres moteurs. Non, en vrai, le tout premier moteur de jeu que j'ai utilisé, vraiment le tout premier que j'ai utilisé pour m'amuser, c'est le moteur d'Half-Life 1 à l'époque quand il est sorti, il était fourni sur le CD. Et du coup, je faisais mes maps, je faisais des maps, des trucs, je refaisais des jeux, j'avais recommencé à faire du Knukem 3D mais dans le moteur d'Half-Life. J'avais refait plein de trucs comme ça. Après, je suis passé sur RPG Maker 2000. Après, je suis passé sur... j'avais fait un petit peu de Game Maker. Et puis, tout en dernier, celui où je me sens le plus à l'aise, où je me sens le mieux, en fait, au final, bah, ça reste Unreal Engine, quoi. Attention, je me cache les yeux pour que tu tues me fait parce que c'est mon perso préféré, même si, en vrai, j'ai peur des araignées. Oh. Une petite démo, j'attends de faire une démo convenable parce que 5 minutes de jeu c'est pas ouf. Ouais, je comprends, mais surtout n'hésite pas en tout cas à rejoindre le Discord et si jamais tu l'as, quand tu seras plus avancé, à nous le poster, ce sera génial. RPG Maker en 2000, moi en 2000 j'avais 5 ans et je jouais avec mon caca, let's go mec. Ouais bah oui, mais qu'est-ce que je te dis, moi dans les années 90, je te dis, le premier moteur que j'ai utilisé c'est le moteur d'Half-Life 1. Mais, et j'étais pas vieux mec, hein, quand j'ai commencé à faire ça. Hein. T'auras peut-être des retours intéressants. Ouais, carrément. Ah, RPG Maker 2000, que de bons souvenirs, Coco. Ah, mon Flyart. Ah, qu'on s'est éclaté sur RPG Maker 2000 et 2003 avec le Mika. Tu te rappelles ? Je le posterai quand j'estime qu'il mérite d'aller sur le web. Pas de soucis, t'inquiète pas, Starian. En tout cas, je suis curieux de voir un petit peu quand t'auras avancé ce que t'as fait, quoi. Bon, vous êtes... Bonjour, vous êtes... je suis dans la merde. Oh, le chrono va sonner. Elle doit revenir, normalement. Allez, c'est parti. J'ai entendu dire que les humains détestaient les araignées. Mais non, je déteste pas les araignées, moi. J'ai entendu dire que l'humain détestait tout le monde. Ah, ça par contre, ouais. Bien sûr, pas de pression, désolé, je cause, moi, mort de rire. Je suis dans la merde, il a dit. Alors qu'ils s'amusaient à leur arracher les pattes. Les petites patounes. Allez, let's go. J'ai entendu dire... Oh. Bonjour, qu'il manque cruellement de goût. Quelle déception, le seul humain qui tombe ici n'est pas comestible. Oh, après tout, les produits périmés, ça se remplace, n'est-ce pas? Alors, la musique est bien en plus de ce boss, mais... Du coup, juste une question comme ça pour les gens qui l'ont fini. Merci pour le lurk, le Revo, merci beaucoup, mon petit poulet. Petite question, j'ai acheté des arachno donuts et tout ça tout au début, mais je suis quand même obligé de la buter, me fait, en fait. Nous, en 2021, on fait du scratch en techno. La légende raconte que les programmes de l'éducation nationale changent avec le temps. Je veux pas on nous fasse manipuler Unreal Engine, mais quand même, scratch. On fait depuis la 6ème, j'ai maîtrisé en 1h30. Ah, tu dois vite te faire chier, Zazertup, hein, je comprends. Hein. Bah, en vrai, si j'ai un moteur, entre guillemets, à conseiller à tous les débutants qui souhaiteraient faire du jeu vidéo, le fait de dire Unreal Engine, ça peut faire peur parce que c'est un gros moteur qui est utilisé sur des grosses productions comme par exemple le dernier Mario, il a été fait dessus, vous prenez Fortnite, ça a été fait dessus, les Gears of War, ça a été fait dessus, etc. Ça peut paraître, en fait, ça peut faire peur, mais en fait, il est ultra accessible. Hein. Il est vraiment ultra accessible, Unreal Engine. Même si vous ne savez pas programmer, c'est ultra accessible hein, quand même. Hein. Il y a un système en fait qui vous permet de programmer de façon visuelle, ce qu'ils appellent en blueprint. J'avais fait d'ailleurs une soirée où je montrais un petit peu le délire sur le moteur. Et comme ça, vous avez une logique de C++, et en plus de ça, vous avez la possibilité, donc sans avoir besoin de taper de code, de programmer. À ce point, oui, à ce point, clairement, oui, bien sûr.
T'inquiète, ça va aller très vite avec Muffet. Bon, on va voir, on va voir. But là, oui. Bon, bah, putain, c'est parti. Hein. Je joue à la manette et on va voir. Ah ouais, ah, on en est là. Ah, très bien. Ok. Ok. Bah écoute, c'était un peu plus rapide qu'avec... C'était un chouïa plus rapide. À moins que je l'ai pas tué, mais si je l'ai vraiment tué... Oh non, il y a un bébé araignée qui dépose une fleur où il y a la maman, normalement. Mais c'est dégueulasse. Victoire, vous obtenez 300. Oh putain, c'est tellement tristoun. Oh, c'est tellement tristoun, en vrai. Oh putain, on l'a dégommé. Moi, je me suis dit, va avoir un petit boss, quand même, un petit quelque chose. Mais rien du tout. Je suis arrivé, j'ai mis... je l'ai tapé là, comme ça, là. Là, juste comme un pélican, comme dirait l'autre. Là, là, il y a encore marqué Adidas Predator, là. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un sketch de d'Alban Ivanov sur le foot, il est génial. Le mode génocide, c'est sans empathie, quoi. Ah ouais, c'est dégueulasse. Va pas y avoir la comédie musicale. Ah bah, il va rien avoir du tout, hein, c'est ce que j'ai remarqué, hein, surtout. Hein. Ah ok, donc ça me permet de revenir là. Mais par contre, je vais avoir besoin de buter encore pas mal de monde, là. Et j'ai pas de combat qui se déclenche. Oh putain, et tout ça aussi, ça n'y est pas. En vrai. Putain, y'a rien du tout, en fait, ici. Hein. Y'a vraiment rien de chez rien dans le jeu, quoi, quand t'es en... Attends, coder sans coder, mais ma carrière de game designer commence. Oui, je sais faire des jeux et être game designer, c'est pas la même chose. Mais chut, oui, bah oui, non, c'est pas du tout la même chose, game designer pour coder. Mais en fait, oui, Zazertiop, si jamais tu connais pas, en fait, je me mets en pause deux petites secondes pour parler un petit peu sur Unreal Engine. Mais pour ceux qui connaissent pas du tout la programmation, en gros, à la place de taper, je vais te dire une connerie, mais au lieu de créer une variable en faisant int, nommer ta variable, donner sa valeur, etc., point virgule, etc., déclarer tes variables et autres. Bah en fait, tu crées des fichiers à l'intérieur du moteur, tu vas faire ajouter une variable, lui donner le nom directement en faisant des clics, tu vois, lui donner la valeur que tu veux. Quand tu vas vouloir l'exploiter, tu vas cliquer dessus, tu vas la mettre dans ton... C'est une sorte de diagramme, en fait, hein, concrètement. Tu vas la mettre dedans, tu vas sélectionner, bah voilà, si je veux faire ça, 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 bah t'as déjà des choses qui sont prédéfinies, préprogrammées, et c'est juste en node que tu relis ensemble. Donc, c'est très 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 puissant, c'est très très permissif. Et c'est basé sur du C++, puisque tu peux aussi programmer en C++. Donc au lieu de le taper à la main, c'est juste que derrière, le code qui va s'exécuter, c'est du C++. Donc pour les personnes qui ne s'y connaissent pas du tout, bah, c'est ultra puissant, en fait. Et ça marche très très bien. Voilà. Oh my god, j'aimerais tellement t'avoir vu chanter avec Metal Sound. Ouais, je l'avais fait, hein. Je l'avais fait, hein, il me semble. Hein. Tu sais, c'est dispo sur Mac. Oui, c'est dispo sur Mac, Zazertube. Oui, oui, Unreal Engine est dispo sur Mac. L'avantage que tu as avec le Blueprint, donc ce système que je te parlais, l'avantage que tu as, c'est qu'en plus de ça, imaginons que tu programmes sur PC, tu l'ouvres, après ton projet, tu l'ouvres sur Mac. En fait, comme le Blueprint, c'est pas un langage qui est compilé, entre guillemets, c'est un langage interprété. Ce que je veux dire par là, c'est que tu tapes pas directement les lignes de code. Bah si tu l'ouvres sur Mac, quand tu vas compiler ton code sur Mac, il va le compiler pour Mac. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as même pas besoin de te faire chier à retaper ton code pour qu'il soit adapté à la plateforme. C'est ça qui est génial. Prendre, qu'est-ce qu'on a? Personne n'est venu. Alors, prendre. Ah bah y a plein de trucs là. Comment j'avais galéré pour maîtriser le verbe. Bah après, une fois que tu fais un peu de vraie programmation, je t'avoue que les variables, au final, c'est la base, hein, FlyArt. Mais oui, je sais qu'à l'époque, on était, voilà, le temps de comprendre. Mais tu vas sur le site d'Unreal Engine, là, t'as le 5 qui est sorti, mais il est encore en version alpha, hein, ou bêta, je sais plus. Donc tu peux pas encore faire tout ce que tu veux avec, donc prends toujours le 4. Et si tu avances dans ton projet sur Unreal Engine 4, quand le 5 sortira, ce sera full compatible. Surtout les fourchettes, ouais, je me rappelle, bro. Mais voilà, c'est super puissant, et si je dois te conseiller une chaîne, tu as la chaîne de Out of Reality, qui fait pas mal de tutos, qui faisait pas mal de tutos, ou alors ça s'appelle Créer un jeu vidéo sur YouTube, ou alors la chaîne de Mathieu. Yo le Nini, comment il va? Voilà. Mathieu, juste Mathieu Unreal Engine 4, Mathieu UE4, tu peux taper sur YouTube, ou alors Créer un jeu vidéo, tu peux aussi trouver des tutos qui sont super bien. Ouais, il y a la musique, mais Nobody Came, exactement. T'as vu, la clé que t'avais payé 500 PO pour de la merde, t'aurais pu l'avoir gratos, bah ouais. Y'a quoi là, chapeau de cow-boy, clé mystérieuse, ah ouais, la clé qui sert à rien en plus.
Super, et toi? Écoute, nickel. Tout va bien. Tout est OP. Du coup, je me demande, qu'est-ce qu'on a là? Ouh, une grosse arme là, un pistolet vide là. Balles non incluses. Ah, donc un pistolet qui est vide, il y a pas de balles et ils vendent pas de balles. Donc en gros, il est fort, mais il y a pas de balles, donc je serais grillé. Ouais, le jour de la team de Métat. On s'en souvient. T'as pu dormir, j'ai fait une sieste cet après-midi pendant que mon fiston il était à la sieste, sinon c'était la mort hein, pour ce soir. Le chapeau de cow-boy, armure 12, ça je me dis que je prends. Hein. Voilà. La clé, on s'en fout. La malbouffe, bon, on va la prendre. Ah, on peut revenir là et se goinfrer en fait. On peut tellement se goinfrer gratos. Moi en cours de techno, j'utilise les variables. La prof, elle est en sueur, elle a jamais vu ça. Ah ouais, non, j'abuse. Non, mais vraiment, dans la classe, il y en a, on est plus fort que la prof, vraiment, les cours. Bah ouais, mais bon, après, c'est pas sa génération non plus. Tu as de meilleures heals à l'hôtel. Ok, ça marche. Ça marche. Hop là. Rien de particulier de plus à prendre, hein, on est d'accord. Let's go, hein. Ah, c'est vrai que là, il y a le truc. Hey, va dans la ruelle sombre à droite pour faire des deals de dingue. On l'a fait, c'est bon. Les Glam Glam Burger. Ah oui, c'est vrai, les Glam Glam Burger. Je m'en rappelais plus. 34 à tuer encore. Hein. Des deals de dingue. Donc surtout, ouais, n'hésite pas, hein, si Zazertube, n'hésite pas à prendre une engine et puis de checker simplement. Tu peux faire aussi bien des jeux 3D, bah, comme je te disais, Fortnite, machin, etc. Tout est fait là-dessus. Mais tu peux aussi bien faire des jeux en 2D. Hein. Ça, y a aussi un moteur 2D à l'intérieur. Hein. Donc tu peux aussi en faire, il n'y a aucun problème. Pas de réponse. Bah, j'imagine que toutes les portes, ça va être pas de réponse. C'est fermé de l'intérieur. Pas de réponse, voilà. Pas de réponse. Ok. Redonnez-moi Timmy. J'avoue, Timmy. Là, normalement, c'est le resto, mais j'imagine qu'il n'y a personne. Bah oui, forcément. Bien sûr qu'il n'y a personne. Tout le monde a fui. Je regarde quand même s'il n'y a pas des choses à récupérer, mais j'ai pas l'impression. Non. Il en reste 34, c'est genre le joueur qui contrôle Frisk pour moi et pas le cas. Ok, alors. Pourquoi est-ce que je me coltine toujours les gens chelous? Acheter. Ah oui, les glams. Ouais, mais putain, ils sont chers. Hein. 27 PV, mais ils sont chers. Hein. Bonjour, tu la passes ta commande ou pas? Héros légendaire, soigne 40 PV pour les héros, attaque plus 1 en combat. Steak en forme de tête de métatonne, 500 PO. Et c'est ultra rush par contre. Hein. Tu as fait des choses trouvables toi? Non, j'ai pas fait de choses trouvables. J'ai toujours tout sur mes PC ou alors sur des Git ou des trucs comme ça, mais j'ai rien fait de trouvable, on va dire. Non, mais tu contrôles bien. Par contre, je sais pas si c'est considéré comme la même zone, le corps, enfin noyau, il me semble, en FR, mais pas sûr. Ah, je sais pas. Sinon, il bougerait pas. En vrai, cette route est tellement glauque. Ouais, mais de ouf! Franchement, je la trouve méga glauque. Hein. Au-delà du jeu, de l'ambiance du jeu, cette route, quand il pense, elle est tellement creepy, de ouf. C'est un putain de serial killer. Pas de jugement, juste curieux. Et ça tourne sur Linux. Si ça tourne sur Linux, je suis chaud. À vérifier Linux. Je suis pas sûr d'LF. Mais à vérifier, il me semble que oui. Mais à vérifier. Celui-là, je veux pas te dire de conneries. Je sais que Mac et Windows, oui. Les steaks ou héros, les meilleurs. Tu peux revenir plus tard quand t'auras récup des sous. Ouais, parce que là. Là, je t'avoue que ça fait un peu rush. Hein. Là, ça fait un peu rush. Retour. Hein. Allez, c'est parti. Hein. Alors, je pense que le ça, c'est toujours fermé. Hein. L'ascenseur est occupé, bien sûr. D'ailleurs, Mars Spot de Farm, c'est le pont très long, pas loin du plateau de télé de Métaton. Ah, j'aurais dû faire ça, en fait. J'aurais dû farmer là-bas. Merci pour le lurk, chatillon. Merci beaucoup. Je devrais retourner en arrière, à ton avis, et puis faire ça, tuer les boss là, enfin, les meubles là-haut. Ou alors je continue. Mais là, c'est pareil, j'imagine que toutes les énigmes, elles sont déjà faites, en vrai. Là, il y aura rien. Bah oui. Non, mais il y a rien d'activé, on est d'accord. C'est là ou le plateau télé. Bah écoute, on va continuer là, alors, à ce moment-là, vu qu'on est sur place. Le truc qui était bien, c'est qu'au début du jeu, tout au début, en fait, on avait un spot où ça spawnait assez facilement les ennemis. Là, j'ai l'impression que ça met du temps, quand même. Hein.
Moi, il y a des si tu veux, Delef, moi, il y a des jeux sur lesquels j'ai bossé un petit peu, etc., en dernier même. Mais là, j'ai dû faire une pause avec l'ami sur lequel, avec lequel je bossais sur différents projets de jeux. Parce que j'ai plein de choses à faire pour le stream. Il y a un Glamburger au fond de la poubelle. Voulez-vous le ramasser, cet objet? Bien sûr. Là, j'ai fait une petite pause avec lui, juste le temps de... Voilà, j'ai pas mal de choses à faire pour le stream, pour l'amélioration du stream, etc. Donc ça me prend pas mal de temps. Mais une fois que ce sera fait, je reprendrai avec lui. Hein. Je sais pas si tu sais, mais il y a une technique pour faire de la place... Alors, une technique pour faire du surplace contre un mur, et ça te fait plein de déplacements. Ah non, je sais pas, moi je suis chaud. Ah oui, sinon, tu one-shot tout le monde, tous les monstres, ouais, s'il y en a trop, c'est pas faux. On avait fait déjà un live où je montrais un petit peu... Haut et bas enfoncé, hein. Ah ouais, mais du coup, je suis obligé de le faire au clavier. Ah, combat. Astigmate, approche. Hop là, boum. J'ai loupé mon coup, il va pas mourir. Oh putain. Faut que je fasse gaffe, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, ok. Voilà, c'est mieux. Haut et bas enfoncé. Ah mais du coup ici ça déclenche des combats, on va les faire ici, en même temps on peut parler, c'est ça qui vient. C'est au nombre de pas que ça se déclenche les combats. Ouais je pense hein. T'avais pas une meilleure arme? Ah non, j'ai que dalle hein, mon pote hein. Je connais mon copain hein. Quick quick. C'était la meilleure arme que j'avais récupérée jusque là hein. Pourquoi ça pue? Contre un mur c'est mieux, ouais j'en doute pas. Mais ça a fonctionné quand même, c'est pas grave. En vrai là je le fais à la manette et du coup je l'ai utilisé J'ai utilisé le clavier pour faire les déplacements, mais je vais essayer contre un mur. Quand il y a eu le monstre venu, il y avait genre un petit sourire. Ah oui, bah oui. Comme je disais, pour moi ça me paraît très très complexe, bien que je sois développeur, donc je pense que j'ai des choses à déconstruire. Bah tu fais quoi comme développement toi Delef? Ah ouais, effectivement. Oh, c'est complètement pété. Ah, c'est trop bien. Merci pour la technique. Merci pour le glitch, entre guillemets. Pas une poêle ou un gun. Alors, j'ai la poêle, mais j'ai pas... Le gun, je l'ai pas pris parce que j'ai pas de balle. Il y a pas de balle dedans. Merde. C'est vrai que la poêle, j'aurais pu l'équiper. Je suis un peu con. Hein. Je l'ai dans l'inventaire. Merci, le Sion, pour le lurk. Merci beaucoup. Merci, le bro. Tu soutiens à mort. C'est super cool. Il y a des choses aussi qui vont arriver pour les VIP, hein, je vous dis tout de suite. Là, pour le moment, actuellement, je crois que j'ai que Revo qui est mis en VIP. Je vais redéfinir... Je vais essayer de trouver une utilité un petit peu. J'ai déjà des idées pour une utilité particulière pour le VIP. Le statut de VIP sur la chaîne. Ça changera chaque mois. Et voilà, j'ai des petites idées comme ça. Qui me viennent, là. Attendez, bah attendez. Objet. Il est où? Nouille instantanée, hein, glamour, malbouffe. Chapeau de cowboy, je l'ai même pas utilisé ça en plus. Armure plus 12. Il vous donne envie d'une barbe et augmente aussi l'attaque de 5. Bah voilà, déjà ça. Chapeau de cowboy, utilisé. Vous équipez du chapeau de cowboy. Non, mais les balles, c'est pour la vanne, ça fait quand même des dégâts. Ah merde! Bah je vais retourner le chercher alors. Mais par contre, je vois pas la poêle. Ah si, c'est ça, hein. Peut-être. Info. Poêle carbonisée. Elle fait 10. Bah déjà, je vais l'équiper, alors. Où est-ce qu'il y a la poêle carbonisée? Voilà. Vous équipez de la poêle carbonisée. Ah, tu peux farmer ici, mais le pont est plus pratique. Ouais, bon, je vais le faire ici, tranquille, hein. J'ai pas pris le gun. Bah oui, mais je me suis dit, il y avait pas de balles. Oh, il y en a 4 avec la poêle des attaques. Oh, putain. Merde, attendez, j'essaie de lire le chat en même temps, mais je vais me faire défoncer si je regarde pas minimum le jeu. Même pas Noah VIP. Ah bah on verra Noah, ça va se gagner maintenant le VIP, ça va se gagner et vous aurez des actions supplémentaires. Genre des emotes sonores dédiés vraiment uniquement au VIP, ce genre de choses. Que je vais mettre, peut-être même des emotes avec des gifs qui s'affichent à l'écran. Voilà, je vais rajouter des trucs. Les balles, donc c'est pour la vanne. Tu peux fermer ici, ok. Glamburger, c'est sans pain. Ah, très bonne question.
Mais garde quand même la poêle quand je te l'ai dit pour les nouilles. Oui, bien sûr, bien sûr. Je fais un 2000 heures que je réduis l'écran pour farm sur Dokkan Battle. Pas de soucis, mon Flyart. Merci beaucoup pour le lurk. Et pratique, mais pas nécessaire. Ça optimise légèrement. Ok, ok. Ça marche. Attends, il faut que j'arrête de bouger. Hop là, voilà. Tranquillou. Voilà. En vrai, ça pop super vite hein, quand tu fais la technique que tu viens de me filer. Hein. C'est super cool. Hein. Merci encore beaucoup, là, Starian. Mais comment t'as su que j'étais en live? Je crois que je sais même pas si t'as follow, toi. Je sais même pas si t'as follow la chaîne, en vrai. Tournicotti, tournicotta. Il me semblait pas que t'avais follow. T'as gardé l'onglet sous la main. C'est ça. Hocus pocus. Oula, 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 oula. Détends-toi. Il me reste plus beaucoup de vie quand même, hein. Je ferais bien de me heal avant. J'ai une page Undertale en onglet. Ah, voilà, ok, c'est ce qui me semblait. C'est pour ça, c'est comme ça que t'as su. Je me disais aussi. Hop là. Ah bah merci du coup pour... Ah bah t'es le 250ème, on arrondit tout ça, magnifique. Ah, j'ai pas eu l'alerte. Pourquoi y'a pas eu l'alerte? Ça m'a cassé l'alerte, qu'est-ce qui se passe là? Allez, cadeau, merci beaucoup pour le follow, Starian, ça fait plaisir. Ah ouais, donc ton nouveau préféré t'es même pas follow. Ah, il y a eu? Et vous avez eu le son de l'alerte? Vous avez eu le son de l'alerte? Parce que moi je l'ai pas eu, hein. Ouais, c'est vrai que je vais aller voir un point de sel, je vais pas gaspiller ma bouffe, t'as raison. Ah, mais j'ai pas eu l'alerte sonore, moi. Attendez, je réessaye, je la relance pour voir. Bah là, je l'ai eu. Ok, bon, on verra plus tard hein, s'il y a d'autres personnes. Parce que tout à l'heure, j'ai eu les alertes pour. Si, si, il y a eu l'alerte. Ok, bizarre. Parce que tout à l'heure, j'ai eu l'alerte pour les resubs. Ça, y a pas de soucis. Bon, ça a peut-être merdé une fois chez moi, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'il est le point de save le plus proche, par contre. Bah du coup, merci beaucoup, merci pour le follow, ça fait plaisir ça. Ça fait extrêmement plaisir, je t'avoue. Sachant qu'en plus de ça, voilà, t'es le 250ème, ça fait un petit quelque chose, hein, je t'avoue. Ça fait un petit quelque chose. Et Noah qui était en PLS, la honte, carrément. Au secours. Évite la porte colorée. Ok. De toute façon, t'inquiète pas, il y aura du Deltarune encore de prévu. Tu joues à quoi principalement en fait? Je t'ai même pas demandé, je t'avoue. Tu joues à quoi principalement toi comme jeu? À part bien sûr Undertale. Ça, j'avais cru comprendre que t'aimais bien. Non, mais je retiens Papy, va. En vrai, tu sais quoi, Noah? À un moment, j'ai réfléchi. À force que tu m'appelles Papy. Je me suis posé la question. Parce que cette sphère, c'est pas forcément ultra facile à... Cette sphère, c'est pas forcément ultra facile à prononcer comme pseudo pour les gens. Et même pour le Discord, j'ai failli changer pour Papy Cédou. Je te jure, hein. FF9, Deltarune, Hearthstone et vaguement Overwatch. Oh putain! Overwatch! Overwatch, putain, ça fait des mois que j'ai pas relancé, mais j'y ai tellement joué à ce jeu. J'ai tellement de sel. Tellement de sel sur ce jeu. Ouah, il est fou cette. J'en serais honoré. Ouais, mais en fait, je me suis dit non, sinon je l'aurais fait. Je prends bien compte. Là, sauvegarde. Il en reste 23. Bon, bah, je vais rester là pour les combats, moi. J'y joue pendant les events, c'est tout. Ah, d'accord, ok. Ah non, parce que moi j'ai fait de la ranked pendant 3 ans, franchement facile. Oh putain, le sel mon pote. FF9, je l'ai jamais fini. FF7, je l'ai déjà fait. C'est pareil, les Final Fantasy, j'aimerais bien en faire en live, hein, parce que j'adore ça, il y en a que j'ai pas terminé. Mais en vrai... Cette sphère, c'est classe. Bon bah, je vais garder cette sphère alors, DLF. Est-ce que vous savez d'où vient mon pseudo, en vrai? D'où vient le... Je suis pas sûr qu'il y ait de combat qui se déclenche ici, en vrai. Et ouais, j'en ai fait des années et des années du Overwatch, c'était le sel, hein, mon pote. Les Final Fantasy, j'adore, mais j'ai jamais fini le 9 et j'avoue que ça mériterait trop de temps à faire en live. Ouais, voilà, ici, oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Pourquoi cette sphère, en vrai? Pourquoi je m'appelle cette sphère?
Bon, Ced, vous vous doutez pourquoi? Mais en fait, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots pourri, hein. Mais c'est un jeu de mots pourri pour ceux qui font un peu de... Le 9, c'est mon cœur. Moi, c'est le 7, je t'avoue, Delef. Moi, c'est le 7. Voilà, je l'ai fait une trentaine de fois. Le 7, facile. Et j'ai toujours pas fait le remake. Mais après, pour ton pseudo, je ne sais pas. Je pense que personne ne saura dans le chat. Il y a qu'une personne, je pense, qui pourrait le savoir et elle est pas là. Parce que Cédron était déjà pris. C'est pas gentil, Noah, mais c'est drôle, mais c'est pas gentil. Ouais, ouais, c'est très générationnel, on est d'accord. 7 sphères, non, non, c'est pas pour le 7, mais c'est bien pensé, en vrai. Mais c'est marrant de voir un petit peu comment vous pensez le truc. Est-ce qu'on vole mal dans le 7? Non, alors FF9 le best. Mais si le 9 c'était le best à Starian, c'est pas le 7 qu'ils auraient fait en remake. Oh putain, con va. Au secours. Et puis c'est pas du 9 qu'ils ont fait un film. Oula. Non, en vrai, le 7 c'était une révolution, hein, mon pote, hein, quand il est sorti. Hein. Parce que les gens n'aiment pas mal voler. Ouais. Parce que pourquoi pas, mais doucement. Alors, c'est tout con en fait. C'est parce que ça vient d'un. Donc, pour mon pseudo, c'est un jeu de mots pourri. Hein. Mais à l'époque, je faisais de la 3D. En fait, je bossais un petit peu de 3D sur un logiciel qui s'appelle ZBrush. Voilà. ZBrush, c'est le logiciel que tout le monde utilise dans l'industrie pour faire les modèles high poly, donc les modèles haute définition de vos personnages de jeux vidéo. Et même pour les films, pour tout en fait. Hein. C'est un logiciel de sculpting, voilà. Un peu à la manière, voilà, comme si vous sculptiez de la glaise, ce genre de choses. Et dedans, donc, il y a ce qu'on appelle les Z-sphères. Comme ZBrush, hein, mais Z-sphères. Voilà, et comme j'utilisais tout le temps ça, à force, comme j'utilisais tout le temps ça pour faire mes bases de modèles 3D, bah, j'ai fini par prendre comme pseudo cette sphère, voilà. Tout simplement. Donc jeu de mots pourri pour les gens qui savent en vrai, voilà. Et quand je l'ai dit à un pote qui bosse dans le jeu vidéo, j'ai un pote qui lui est justement, il modélise, lui son boulot c'est ça, hein, il est 3D car artiste. Quand je lui ai dit, il m'a dit mais non c'est pas pour ça quand même. Il était mort de rire le pauvre. Bon lui il utilise pas du tout ces conneries là. À Skip, il y a une série de 9 épisodes sur FF9 et il commencera en 2022 je crois. Wow, ce serait trop bien en vrai. Ce serait beaucoup trop stylé je t'avoue Astarian, mais il faudrait qu'on fasse FF... Il faudrait que je fasse FF9 en vrai. Mais encore une fois, sur la chaîne, ça mettrait trop de temps. C'est ça qui m'emmerde. À moins que vous êtes chaud, hein. Moi, j'adorerais ça, mais... Est-ce que des RPG comme Final Fantasy 7, Final Fantasy 9, ce genre de choses... Est-ce que ça vous saucerait qu'on fasse ça en live ou pas? Par contre, ça voudrait dire qu'on fait que ça. On fait pas d'autres jeux à côté. On en fait un en même temps, quoi. Parce que c'est long à faire. Si l'ambiance est bonne, on s'en fout de la durée du jeu. Je dis ça, je dis rien. Bah voilà, mais c'est une question, hein. Donc, pseudo, c'est vraiment le premier truc que j'ai écrit dans un jeu, je savais à peine lire. Ah, trop bien! En vrai. J'adore le thème de boss. On l'appelle aussi le thème vol raté. Oh punaise, je vous jure, c'est trop long. Mais le 9, j'adore l'ambiance. Hein. En vrai, moi, j'ai décroché, j'aime tous les Final Fantasy, mais le système de materia du 7, tu peux pas tester. Tu peux pas tester, c'est juste parfait. C'est juste parfait, quoi. Le système de matériel est juste... Voilà. Il est juste parfait. On peut pas... On a rien fait de mieux. On a rien fait de mieux. Le système du 9 est un peu similaire, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas exactement ça, quoi. Pratique, mais ça rend les persos remplaçables, je trouve. Ouais, bah au moins ça te permettait d'avoir une certaine liberté et de jouer les persos vraiment que t'as envie, tu vois. Et non pas de jouer les personnages qu'on t'impose, entre guillemets, parce que t'es obligé d'avoir un healer, obligé d'avoir un ci, obligé d'avoir un ça, au final. Donc, après, c'est qu'un avis perso, hein, mais moi, c'est vrai que le set pour ce système de materia... Oh putain, c'était tellement bien, en vrai, hein. Hein. J'ai claqué 2 CD et c'est tout, mais j'aime l'histoire. Ah oui, voilà. Moi, je l'ai jamais fini. Hein. J'ai joué au 9. Hein. Je l'ai acheté à la sortie.
Et c'est vrai que je l'ai jamais terminé. Mais oui, les deux. C'est une question générationnelle. C'est complètement une question générationnelle. Et bien joué, bien joué, Noah, pour le level 32. C'est complètement générationnel. Ça dépend quel âge t'as en vrai. Oula, putain, lui, je lui ai mis une sacrée tarte. Mais ils sont tous les... Le seul que enfin, c'est pas que j'ai moins aimé, j'ai adoré l'ambiance, celle du 8. Mais... Bah qu'est-ce que tu fais debout, toi? Bah, qu'est-ce que tu fais debout, toi? Hein? Oh. Tu vas manger des pâtes? Allez, file! Bon appétit! Nono 32, exactement. Moi qui ne comprends rien à ce qu'il baragouine, j'ai pas touché à FF. Ah mais pourtant, le 7, 8, 9, ouais. Moi j'ai fait... Oh, un petit truc. Oui, c'était le fiston. Il s'est relevé, apparemment, pour manger. Ok. J'estime que le premier FF que tu découvres, c'est celui que tu préféreras. Oh, pas forcément. J'en ai connu d'autres avant le 7, et c'est pas forcément mes préférés. J'avoue que le 7, il m'a vraiment marqué. Par son système de matériel et d'ambiance un peu cyberpunk, comme ça. Il m'a vraiment marqué à ce niveau-là, parce que justement, il se démarquait des autres. Par rapport aux 6 et aux anciens. Ils ont tous une ambiance bien à eux, en vrai. Hein. Le 9 a de bons thèmes sur la vie et la mort, tandis que le 7 a un bon thème sur l'écologie. Exactement, voilà, c'est ça. C'est... Justement, je les trouve assez différents pour être complémentaires, plutôt que, entre guillemets... que être concurrent, entre guillemets. Hein. J'ai connu le 8 après le 7, et j'ai préféré le 8. Ah, le 8, en fait, pour moi, il a un gros défaut, iPhase. Alors je l'adore, hein. Je l'adore le 8, j'adore l'ambiance qui est justement un peu plus, comment dire, un peu plus, je sais pas, dans ma tête, hein. Elle est un peu plus future du côté japonais un peu, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont pris vraiment, vous voyez, je sais pas si vous avez déjà, bah, vous avez sûrement déjà vu des vidéos un petit peu du Japon actuellement, des gros quartiers technologiques, machin, etc. Ça me fait très penser à ça, encore plus poussé, Final Fantasy 8, avec un côté un peu lumineux, un peu plus shiny, voilà. Mais il a un gros défaut, le 8. Un énorme défaut, même, je dirais. À votre avis, je pense à quoi? Pour ceux qui l'ont déjà fait. Moi, j'essaie d'arrêter les gros RPG souvent, ils me tentent beaucoup et finalement, je les finis jamais. Ouais, je comprends. Kitty qui dit t'as pas de goût. Toi, tu débarques pour m'attaquer. J'avoue, elle est revenue juste pour dire. À votre avis, Final Fantasy VIII, quel est son plus gros défaut? Pour moi, hein. Il a vraiment un défaut majeur dans le système de combat, principalement. Et qui, pour le coup, le rend beaucoup plus... comment dire, le rend beaucoup moins intéressant au niveau des combats qu'un Final Fantasy VII ou qu'un Final Fantasy IX. Exactement, Kitty. Exactement, Kitty. En fait, le problème, c'est que le système de magie de Final Fantasy VIII... ce qui se passe dans Final Fantasy VIII, c'est que vous associez la magie à vos statistiques sur votre personnage. Donc plus vous avez de fois en fait la magie en question de stacker sur vous, plus vos stats sont grandes. Et donc plus si vous associez par exemple foudre à attaque, plus votre attaque va être élevée en fonction du nombre de stacks de magie que vous avez sur vous de foudre. Voilà. Le problème, c'est que déjà, de base, pour récupérer la magie, vous devez la voler aux adversaires. Donc pour la voler aux adversaires, bah vous avez une option hein, pour voler les adversaires quand vous êtes en combat. Ce qui fait que si vous voulez en avoir 100, à chaque fois sur les magies qui sont vraiment intéressantes, si vous voulez en avoir 100, il va falloir farmer à mort. Le combat, il va durer 15 plombes parce que vous allez faire voler. Et le maximum que vous pouvez prendre en une fois, je crois que c'est 9 ou 8, un truc comme ça, 9 ou 8. Donc si vous voulez en avoir 100 sur les 3 persos en plus que vous utilisez pour booster toutes les capacités de chacun des persos, ça va être ultra long. Et en plus de ça, quand vous allez faire des combats par la suite, vu que vous avez associé vos magies aux stats de votre personnage, si vous utilisez de la magie, ça veut dire que votre personnage devient plus faible parce que vous avez plus 100 stacks de la même magie que vous avez associé à vos stats. Donc si vous utilisez de la magie, en gros, votre personnage devient plus faible, devient moins fort, en gros. Ce qui est complètement, pour moi, contre nature. Ce qui fait que ben, vous passez votre temps à voler de la magie que vous n'allez pas utiliser, juste, à part la magie de soin, et encore même la magie de soin, juste pour booster, en fait, les stats de vos personnages, pour, au final, utiliser que les invocations. Voilà, attaquer et invocation, et à la limite, ben, les limites break. Voilà. Donc c'est un peu relou.
Avec créa magie, ça va vite. Ouais, mais c'est quand même, au début du jeu, c'est quand même ultra long. On est d'accord qu'au bout d'un moment dans le jeu, ça passe. Mais au début, c'est ultra long. Ça m'a perturbé au début, mais après, je m'y suis faite. Bah, Arthus, l'histoire est bien. Je dis pareil, je rappelle que pareil, ça veut dire... Des zoubis, Noah, merci d'être passé. Va bosser. T'assure. Merci beaucoup pour le lurk. Chevalier de la table ronde, invocation qui dure 15 ans. Ouais, exactement. Bah, après, je te dirais que Chevalier de la table ronde, ça va. Hein. Si tu prends Orbital de Final Fantasy VIII, on en parle ou pas? Elle est encore plus longue. Mais après, les invocations sont géniales, mais moi ça me fait chier juste de voler de la magie pour au final pas l'utiliser, j'ai trouvé ça complètement débile. Mais Orbital, ouais, elle est beaucoup trop longue aussi. Après, l'ambiance de Final Fantasy VIII est vraiment cool. Ouais, c'est complètement iPhase, complètement. Arc de FF9 est pas mieux, je l'ai pas eu donc je peux pas me prononcer là-dessus, je t'avoue. Après, le jeu reste génial, hein. Le jeu reste génial, FF8. Hein. Il y a juste son... Je dirais son délire de fin, sans spoiler qui que ce soit qui ne l'aurait pas fait. Mais j'avoue que son délire de fin, c'est un petit peu, comment dire... c'est un peu tiré par les cheveux, je dirais. T'as un peu l'impression qu'ils savaient pas où ils allaient avec leur scénario, et qu'ils ont claqué un truc comme ça. Et moi, j'étais un peu déçu. Je trouve que c'est toujours un peu la solution de facilité, quand ils claquent un truc comme ça. 1 minute 45 l'invocation. Oh putain, effectivement. Ouais, mais dans FF9, il me semble que dans les options, tu peux mettre les versions courtes des invocations, non? Tu peux choisir, hein. C'est comme une patate sans beurre. C'est beau ce que tu dis, Lef. C'est beau ce que tu dis, Lef. Arc, c'est moins long que les chevaliers de la table ronde. Avec les chevaliers, j'ai le temps d'aller pisser, genre littéralement. C'est vrai que sur la table ronde, elle est un peu longue comme invocation. Oui, dans FF9, des fois, ça raccourcit, ça fait moins mal. Ouais, c'est ce qui me semblait. Hein. Ouais, il est stylé, FF9. Après, pour ceux qui ne savent pas, hein, je vais peut-être balancer une évidence, mais en fait, chez Square, à l'époque, il y avait deux équipes qui faisaient les Final Fantasy, et ils alternaient une équipe sur deux, pour pas que ce soit trop proche. C'est-à-dire que l'équipe qui fait Final Fantasy 7, c'est ceux qui ont fait l'équipe, c'est la même équipe qui a fait Final Fantasy 9. Et l'équipe qui a fait Final Fantasy 8, c'est la même équipe qui a fait Final Fantasy 10. Et ça se voit, je trouve. Je trouve que ça se ressent au niveau de l'ambiance. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça se ressent, que ce soit visuellement ou que ce soit... au niveau du chara-design, même si c'est toujours le même qui fait le chara-design. Hein. Voilà. Mais ça se sent, en fait, je trouve. Oh, je ne savais pas. Bah voilà, bah comme ça, tu sais. J'ai le jeu d'origine, tu n'attends pas. Moi, j'aime son délire steampunk et c'est parlant pour moi. Ouais, carrément, carrément. Il y a Nomura, ouais, mais Nomura il est sur tous les Final Fantasy jusqu'au 10, je crois. Après il s'est barré. Hein. C'est après le 10 qu'il s'est barré, je crois. Hein. Non, Uematsu, qu'est-ce que je dis Nomura? Non, mais non. C'est Obuo Uematsu qui fait. C'est Nobuo qui fait les musiques. Nomura c'est. Pardon, c'est. Oh putain. Je trouve plus mes mots. Non mais j'ai pas percuté mais Non, Nomura lui. C'est lol d'élève. Non, moi je parlais de Uematsu. Ouais, moi je parlais de Uematsu Astarian. Comment il s'appelle le chara designer de putain, je connais que lui, ça me gonfle, je trouve plus le nom. Qui fait aussi les le conducteur de train. Comment il s'appelle? Rappelez-moi, Kitty, tu dois savoir, toi. Celui qui fait tous les chara-design. Personne n'est venu, ça y est, on est bon, là. Je vais me heal. Ah, non, pas Amano. Amano, c'est celui qui fait les concept art, je crois, si je dis pas de conneries. Et il y a celui qui repasse derrière. Bah, je crois que c'est Nomura, non? C'est Nomura qui repasse derrière et qui refait les designs finaux.
Je sais plus son nom, merde. Et maintenant, il est passé... En fait, il a complètement évolué. Il s'occupe plus du tout, pratiquement, du design. Il s'occupe carrément maintenant de faire les jeux, entre guillemets. C'est lui qui dirige les équipes, maintenant. Attendez, je vais revenir en arrière et je vais aller chercher le flingue. Hop, je vais revenir en arrière, je vais juste aller chercher le flingue. Sauvegarde, détermination. Voilà, parfait. On va pouvoir avancer un petit peu. Comment il s'appelle déjà ? Nobu Uematsu. Non, Uematsu, c'est celui qui fait les musiques. Moi, je parle du designer. En parlant de musique, tu connais Black Mage, bien sûr. Bien sûr, c'est le groupe de, justement, Uematsu, où ils reprennent les musiques de Final Fantasy. Bien sûr, Flyert, je connais. Tu te doutes bien. Quand même. Non, prends pas le flingue, sinon les nouilles marcheront pas. Oui, non, mais je le prends, je le mets dans mon inventaire. Je veux dire, je le récupère déjà, comme ça je l'ai, c'est ça que je veux dire. Je vais pas l'équiper, forcément, mais je vais le... Je vais juste l'acheter, déjà. Voilà. Comme ça, c'est fait, j'ai pas besoin de revenir. Le flingue, comme tu veux, mais j'y vois pas l'intérêt quand on peut se heal mieux. Bah, du coup, je suis revenu en arrière, pourquoi ? Tetsuya, voilà, c'est ça, merci, Delef. Je savais que c'était Nomura, mais Tetsuya, c'est ça, je trouvais plus son prénom, pour monsieur. Il faisait tous les designs des Final Fantasy, enfin, les designs finaux. Merci, Kitty, ouais, voilà. Oui, voilà. Il faisait tous les designs finaux, donc quoi, il a fait Final Fantasy 8. Enfin, moi, je l'ai connu sur le 7, principalement, mais je pense qu'il a fait ceux d'avant aussi. Mais le 7, 8, 9, etc. Et vous avez Amano qui fait toujours les concept art un petit peu particuliers que vous voyez sur les boîtes de Final Fantasy 6, etc. Vous savez, avec un design très, très filiforme, comme ça, très, très particulier. Oui, pas faux, Azertiop. Bon, au pire, je le jetterai, c'est pas grave, je le mettrai dans un coffre. Yes, ça marche. Lurk, lurk for me. Merci à Ifas pour le lurk, un grand merci à toi. J'ai pas assez de thunes, je pense, en vrai. Ah si, quand même, j'ai 4200 de thunes. J'ai rien dit, je crois. Attendez, stats, je crois. Hein. Oh oui, j'ai 4200, fais chier, aujourd'hui. Bah putain, il faut que je revienne en arrière, c'est ça que vous me dites encore, au secours. Ta fille, je suis sûr qu'elle est partie manger, ça a duré 3 heures. Alors, les enfants, je reviens tout de suite. Il y a juste mon fiston qui retourne au lit. Je vais lui faire un bisou parce que là, il est en train de foutre le bordel parce qu'il me réclame. Donc, je vais aller lui faire un bisou et je reviens tout de suite. Je vous mets juste sur Be Right Back en attendant. Un petit peu de Undertale en attendant, les enfants. Hop. Tac, je peux pas couper la musique du jeu, mais c'est pas grave. Parce que chacun est libre de manger comme il le souhaite, découvrez la sauce de la paix. La sauce qui met tout le monde d'accord. Une petite pub comme ça au passage, ça vous dit ou pas ?
Et re les enfants! Oh, j'ai perdu du monde dans l'histoire là. On n'est plus que 6. Qu'est-ce qui se dit? Re! Qu'est-ce qui se dit? Hop, 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 hop. Oh, je veux voir si je peux remonter vos messages un petit peu à toutes. Hop, tac, 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 mort de rire, t'en as vraiment une, gna gna gna. Qu'est-ce qui s'est dit? Parce que l'autre ne sert vraiment. Ah, ok, donc ça parle entre frangines là. Vous allez l'entendre pendant 3 jours ce thème. C'est ça. Vas-y, rajoute-en moi une couche. Tu me fais en plus, tu vois, j'ai déjà un petit peu le flip vu ce qui s'est passé avec Undyne. Et là, tu m'en rajoutes une couche, c'est magnifique. Je me demande si je peux le manger. Vraiment, je te conseille, tu fais tout un inventaire de héros sauf les nouilles. D'accord. Que des bêtises, t'embête pas, lol. Un enfant imaginaire. Non, pas du tout, non. C'est à cause du thème de Sans. Bah oui. Alors attendez, du coup je vais retourner en arrière parce qu'on m'a dit d'aller acheter d'autres trucs. Parce que là en fait on en est où par rapport à Sans? On en est encore loin, on est d'accord les copains? L'idéal c'est la tarte, les nouilles, le steak et le reste en héros, d'accord. Alors le truc c'est qu'il faudrait que je trouve une boîte là. Là il faudrait que je trouve une boîte là. Et voilà. Utiliser la boîte, oui. Ah ouais mais j'ai un milliard de choses dedans en vrai. Ah j'ai tellement un milliard de choses dedans. Du coup, est-ce que je m'équipe du pistol ou pas? Si tu veux encore petit, tu peux même récupérer les morceaux. Je dis pareil, je rappelle que pareil, ça merci veut d'être dire passé les AdverTube. Bon allez je dois y aller. Pardon, je dois y aller malheureusement, je ne vais pas pouvoir te voir brûler en enfer pour tes crimes. Bah t'inquiète pas, je pense qu'on se revoit joli. Hein. Merci beaucoup d'être passé, des oublis à toi. Est-ce que je garde le pistol ou pas? Et surtout, est-ce que je l'équipe? Bon allez, en vrai... Non, plus besoin. Le pistol, je le garde pas? Ok, bon. Re le sion. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux jeter en vrai?
carrément jeté, tu vois, genre ça le détruit, tant pis, on ne l'utilisera jamais. Qu'est-ce que je dégage dans ce que j'ai dans mon inventaire là? Parce que j'ai plus de place dans la boîte. Donc, les armures inutiles, genre le vieux tutu, ça dégage, on est d'accord. Genre vieux tutu, je l'enlève. Calepin déchiré, je le dégage aussi, si je comprends bien. Et le pistol vide, tout ça je dégage. Les trois là, je les enlève. C'est ça, je les jette. Je demande avant que je fasse une connerie, hein, parce que... Et ça, ou pas? J'ai bon pour les trois là, ou pas? Attendez, ce que je vais faire avant... Détermination, sauvegarder, voilà. Hop, objet... tout ce qui heal moins de 40 PV, vire-le. Donc ouais, bon bah, vieux tutu. Je le jette. Hop. Pistole, je le jette. Ok. Calepin, je le jette. Les nouilles, je jette pas. Ok. Malbouffe et Arachno Donut, pour le moment je les garde ou je les jette? Info. 17 PV Malbouffe. Je le dégage. Je garde juste les nouilles en fait, c'est tout. Là de ce que j'ai dans l'inventaire, les nouilles et le Glamburger, c'est tout hein. Ok, Malbouffe. Jeté. Arachno Donut, c'est pareil, je crois que c'est moins. Hein. Moins 12, ouais, bon. Bah les couilles en vrai. Et salut Tréti64, pardon. Je suis désolé, j'ai écorché ton pseudo, pardon. Comment vas-tu? Comment ça va? Du coup, l'arachno donut, ça dégage aussi. Voilà, parfait. Hop, hop. On regarde les nouilles. Le Glamburger, je le garde, je crois, tu m'as dit. Ah non, 27, je le dégage aussi, le Glamburger. Ok. Du coup, tu m'as dit, je jette, hein. Bien, et toi? Bah écoute, ça va. On est sur la route génocide, on attaque... Enfin, j'ai attaqué la route génocide. On a déjà réussi à passer Undyne, comme tu peux voir. J'en ai chié ma race. J'ai déjà peur pour Sans. J'avoue que j'ai un peu peur. C'est la première fois que je fais la route génocide. On a déjà fait la route normale et la route... Parfait, plus qu'à faire du shopping. Exact. Je dégage donc le glam, hein, on est d'accord, tu m'as dit. Hein. Hop là. Débarrasser du glam burger. Ok. Et donc ouais, j'ai déjà fait la route normale et la route pacifiste, j'ai jamais fait la route génocide, et je t'avoue que voilà, hein. Bah du coup, je vais sauvegarder, hein. Allez, hein. Tac. Et donc le shopping, c'est ici, si je comprends bien. Et en gros, je me blinde. Ah non, attends. Avant de faire ça, attends. Tu veux savoir un truc sur Sans? Ouais, il est impossible à tuer. je sais, il est ultra galère. Bah si c'est du gros spoil, non, je veux pas. Mais sinon, oui, y a pas de problème. Mais pas de gros spoil, quoi. Tu m'avais dit la tarte. Voilà, c'est ça. La tarte au caramel, je la récupère. Hop. Et maintenant, je fais quoi? J'achète... Bah, je me fais un peu PL, là, je vous avoue. C'est un squelette à skip. Et là, j'achète quoi? Du... Je prends plutôt quoi? Du steak en forme de métaton? Ou alors du héros légendaire? Qu'est-ce qui est mieux? Parce qu'il y en a un qui, franchement, il donne 20 PV de plus, quoi. Mais en vrai, steak. Ok, steak, visage. Et le reste en héros. J'en prends un seul des steaks? Ah, mais il en a peut-être qu'un, en fait. C'est pour ça qu'il me dit ça. Ah oui, c'est pour ça. Ok, c'est fait. Nice. Voilà. Mais dis-moi, hein, Tréti, y a pas de soucis, hein. Vas-y, dis-moi. Je suis tout ouïe. Donc là, c'est bon, là, on est ok. Ok, bon, let's go, hein. Alors, du coup, on va passer par là. À moins que je puisse prendre l'ascenseur d'ici. Ah, voilà, c'est ça. Tu m'as dit de pas rentrer là-dedans, je crois, hein. Sous-garder. Hop. Je vais y aller. C'est Métatron, là. Ah, voilà. Eh bien, te voilà enfin.
Si battable, mais au bout de 30 minutes ou quelques heures, bref, méga galère. Ah bah, si je fais 30 minutes, je suis content. Undyne, tu sais combien de temps j'ai mis? 5h30 de stream pour la tuer. J'ai un skill en pâte à modeler, moi. Eh oui, non, moi, attention, hein, c'est... Ouh! On va se marrer. Alors, avec un peu de chance, si ça se trouve, je vais le passer, Saint-Saint, mais... À mon avis, difficilement. Et pour te faire un petit peu rapidos le pitch de la chaîne, sur la chaîne, on fait principalement du jeu rétro, du jeu indé, et des lives musicaux qui arrivent en fin de mois. Voilà. En gros, on va se marrer, ouais, surtout vous. Donc, pour Sans, le double. On va chier. Après notre première rencontre, j'ai réalisé quelque chose d'épouvantable. Tu n'es pas juste une menace pour les monstres, mais pour l'humanité également. Au ciel, ça c'est un problème. Vois-tu, je ne peux pas être une star sans public. Et de plus, il y a certaines personnes que je veux protéger. J'ai estimé qu'il prend le... L'action... Ah putain, vous êtes... Ah, vous êtes super gentil avec moi, dites-moi. Comme toujours, tu tiens pas en place, hein. Mais ne zappe pas trop vite, il y a quelque chose qu'on ne t'a pas expliqué. Comme tout bon fan le sait, j'ai d'abord été créé comme un robot annihilateur d'humains. Ce n'est qu'après être devenu une star que j'ai obtenu un corps plus photogénique. Cependant, ces fonctions originelles n'ont jamais été complètement retirées. Approche-toi, et je serai forcé de te montrer. Bon, je vais avancer, hein. Ma véritable forme. Ah bah let's go, hein. Très bien. On y va? Que le spectacle commence! Cette qui se fait troll même par les nouveaux. Ah, la musique a été cool aussi de Metatron. Enfin, de Metatron. Non, Metatron. Okay. Au secours, je me fais troll de tous les côtés. Sion, tu n'es plus le seul à me troll sur le... sur le jeu. Ah ouais! Ah d'accord. Ah, je m'attendais à un vrai battle, mais en fait, non. Je suppose que c'est non pour rejoindre mon fan club. Ah oui, effectivement, on est pété quand on est en mode... Enfin, les boss dits normaux, hors Undyne. Ah ouais, non, mais le boss, je l'ai nouveau one-shot, hein, Hi-Faz. Ouais, c'était très rapide, effectivement. Titre. On se revoit dans 5. Non, c'est surtout pour Sans que ça va être la merde, apparemment. Je vais prendre au moins 10 heures. Donc je vais avoir besoin d'un maximum de soutien de votre part, hein, les potes. Hein. Je vous veux sur le chat. Hein. Je vous veux sur le live à tout prix. Hein. Là, il va me falloir de la force. Hein. Parce qu'à mon avis, ça va être un live d'anthologie, ce bordel. Hein. Ça va être, à mon avis, un sacré bordel. Hein. Et sans vous, je le passerai pas. Hein. Ça, c'est clair et net. Je pense que tu vas avoir besoin de beaucoup plus de skill que de soutien. Tellement. Mais tellement. Alors, par contre, du coup, on reprend. Si on le finit pas, en poussant un petit peu, si on le finit pas lors du live prévu à cet effet, le combat le plus rapide du monde demain à 22h. Non, c'est pas demain, c'est jeudi. Ce sera jeudi qu'on fera la suite. Parce que demain, je ne stream pas, mais ce sera jeudi qu'on fait la suite. Mais si... À l'issue du live, c'est pas bon, on l'a pas fini. Je veux pas perdre, entre guillemets, les patterns dans les doigts. Donc je pense qu'on zappera un live sur Kena et on enchaînera vendredi avec aussi... Avec Undertale. Utiliser la boîte, non, j'ai pas besoin. Mais je veux un incendie sur le live. Ok, ah oui, là je me rappelle. On repasse ici et je crois qu'ici y a rien, non. Je sais pas si on peut passer là direct, non. Je sais plus ce qu'il faut faire ici. Il y a un médaillon en forme de cœur dans le paquet cadeau. Voulez-vous ramasser cet objet? Mais je peux pas. Je peux pas. Laisse tomber, en 2 heures tu perds les patterns. Mais ouais, mais justement, je veux pas les perdre trop longtemps. Parce que sinon ça nous fait repousser à la semaine prochaine pour faire la suite, ça va être trop galère. Ce qu'il y a dans les paquets, c'est utile là ou pas? Un couteau dans la boîte. Comme tu veux, mais t'as plus de place. Demain, à 22h, on y est encore. Est-ce que ce qu'il y a dans les cadeaux, c'est intéressant ou pas, en fait, en vrai, Astarian ou Treti, si vous savez, par rapport à ce que j'ai d'équipé actuellement. Ah!
Ça m'arrange pas ce que tu me dis là, Tretti. Ça m'arrange pas. Ah ouais. 99 attaque ou 99 défense, c'est fort, mais ça sert à pas grand chose à part être dans le thème. Ah oui, d'accord. Bon bah du coup, je les prends pas. Je les prends pas, c'est ça que vous me dites, en gros. Vous me dites que c'est fort, mais que ça sert à rien que je le prenne. Pièce en rénovation. La clé. Coucou, c'est doux. T'en voilà enfin à la maison. Tu te souviens quand on jouait ici? La vache, aujourd'hui, ça sera tout aussi amusant. Oula. Il me fait peur, lui. Il me fait peur, Flowey. Si, pour Asgore. Ah, ouais. On va essayer. On peut y retourner par la suite, ici. Vous prenez la clé et l'accrochez à la porte-clé de votre portable. On peut y revenir par la suite ou pas? Parce que j'aimerais bien l'essayer sans, vu que de toute façon, j'ai pas de place dans l'inventaire. Asgore d'Osgore, cherche pas ta tort. Ouais, tu peux revenir partout. Ouais, bon, on va essayer sans, puis on verra. Je me souviens de mon premier réveil dans le jardin. J'avais tellement peur, je ne sentais plus ni mes bras ni mes jambes. Mon corps entier s'était transformé en fleurs. J'ai crié « Maman, papa, à l'aide !» Mais personne n'est venu. Ah oui, parce que c'est le fiston, en fait. Elle a pas l'air amusante. Ah non. Il les laisse dans la cuisine et dans le couloir. Ah, mais oui, j'ai qu'une clé sur les deux, c'est ça? Cuisine. Le roi a fini par me trouver en train de pleurer dans le jardin. Je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé. Il m'a pris dans ses mains, c'est lui. Et il m'a soulevé les larmes aux yeux et m'a dit « Allons, allons, tout ira bien. » Il était si émotif. Et pour une raison que j'ignore, je ne ressentais rien du tout. Ah oui, forcément, il t'a plus d'âme, hein, mon grand. Vous prenez la clé et l'accrochez à votre porte-clé. Enfin, du portable. Let's go, hein. Zbardien. J'ai déverrouillé la chaîne. Allez, let's go. Encore ? J'ai rapidement compris que je ne ressentais rien pour personne. Ma compassion avait disparu. Et crois-moi, c'était pas faute d'essayer. J'ai passé des jours avec ce roi stupide, espérant ressentir quelque chose, mais en vain. C'en est devenu trop pour moi. Je me suis donc enfui d'ici. Au bout d'un moment, j'ai atteint les ruines. À l'intérieur, je l'ai trouvé, c'est doux. Je pensais qu'elle, au moins, pourrait me rendre de nouveau moi-même. Elle n'a pas réussi. Elle parle de maman, là. Hein. Tu as battu les mini-monstres de tous les mondes. Ouais, j'ai battu tous les monstres, ouais. Normalement, hein, moi j'en ai loupé, mais à chaque fois, on est passé en mode nobody came, quoi. Donc je pense que oui. J'ai compris qu'ils m'étaient tous les deux inutiles. J'étais déprimé. Je voulais juste aimer quelqu'un. Je voulais juste que quelqu'un me tienne à cœur. C'est doux. Ça va peut-être te sembler difficile à croire, mais j'ai décidé que ça ne valait plus la peine que je vive. Pas dans un monde sans amour, pas dans un monde sans toi. Donc, j'ai décidé de suivre ton exemple et de mettre fin à mon existence. Et tu sais quoi? J'ai réussi. Ok? Pas la vraie fin, c'est-à-dire... C'est-à-dire, t'es Tretti. Parce qu'on a fait, la fin, j'ai déjà fait la fin route normale, voilà, la première fois. On a refait en où j'ai fini le jeu en route pacifiste. Ça, je l'ai déjà fait aussi. Et donc là, il me reste juste cette route-là, génocide, a priori. Mais en quittant l'étreinte de cette vie, j'ai commencé à m'interroger. Pas la vraie fin de la route génocide, c'est-à-dire... Ah, ça veut dire qu'il y a une fin où on ne tue pas tout le monde dans la route génocide? Si on n'a pas d'âme, qu'est-ce qui se passe quand on a quelque chose d'instinctif à commencer quelque chose d'instinctif à commencer à brûler en moi, pardon. Non, je me suis dit, je veux pas mourir. Puis je me suis réveillé, comme si ça n'avait été qu'un cauchemar. J'étais de retour dans le jardin, de retour à mon point de sauvegarde. Intéressé, j'ai décidé d'expérimenter encore et encore. Je me suis amené au bord de la mort. À n'importe quel instant, j'aurais pu laisser le monde continuer sans moi. Non, il faut tuer tout le monde. Ben, j'ai tué tout le monde, a priori. J'ai tué tous les monstres que j'ai rencontrés. J'ai tué... J'ai tué tous les monstres du début. Tout le monde jusque maintenant. Dès que j'ai rencontré quelqu'un, j'ai que fait attaquer. Hein. Mais tant que j'étais déterminé à vivre, je pouvais revenir en arrière. Incroyable, n'est-ce pas? J'étais stupéfait, moi aussi.
Au début, je me suis servi de mes pouvoirs pour faire le bien. Je suis devenu ami avec tout le monde. J'ai résolu tous leurs problèmes. Leur compagnie m'amusait pendant un moment. À chaque retour, les choses se montrèrent plus prévisibles. Que dirait cette personne si je lui donnais ça? Qu'est-ce qu'elle ferait si je lui disais ça? Une fois que tu connais la réponse, c'est tout. C'est tout ce qu'ils sont. Même les mini-monstres que tu devais tous farm. Ouais, les 40, genre par exemple les 40 la dernière zone, je les ai tués. Je lurk, des bisous. Merci pour le lurk, le DLF, merci beaucoup. Genre les 40 de la dernière zone, je crois qu'il y en avait 10 dans la première ou 20, je sais plus, etc, etc, ouais. Je les ai tués à chaque fois, ouais. Tout a commencé parce que j'étais curieux de savoir ce qu'il se passerait si je les tuais. Je n'aime pas ça, je me suis dit. Je fais juste ça parce que je dois savoir ce qui va se passer. La belle excuse. Tu sais mieux que quiconque le bien fou que ça fait. Tous, bah, il me semble, oui. Il me semble, Tretti. T'en fais pas, Tretti. Si c'était pas le cas, il aurait pas flowé en face. Ah bah voilà. Et on vaut toujours mieux que ces barjots qui restent là à regarder. Ces gens pitoyables, trop faibles pour se salir les mains eux-mêmes. Je parie qu'une telle personne est justement en train de regarder en ce moment. Ah ! Mais maintenant, même ça c'est devenu lassant, tu comprends, c'est loup. J'ai vu tout ce que ce monde avait à offrir. J'ai lu chaque livre, j'ai brûlé chaque livre. J'ai gagné à chaque jeu, j'ai perdu à chaque jeu. J'ai apaisé tout le monde, j'ai tué tout le monde. Série de chiffres, lignes de dialogue, j'ai tout vu. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, je n'ai jamais pu te prédire, c'est doux. Ah. Flaoué, je te fais pas de doigts car je t'aime, mais j'ai bien... Je t'aime bien, mais évite de m'insulter de barjo. Quand on s'est croisé dans les ruines, je n'ai pas pu te reconnaître. J'ai pensé que je pouvais te faire peur puis voler ton âme. J'ai échoué. Et quand j'ai voulu charger ma sauvegarde, ça n'a pas fonctionné, Cédou. Ta détermination, pour une raison que j'ignore, elle surpasse la mienne. Ah. En fait, là, il est en train de nous dire qu'on a... Lui, il a toujours en mémoire qu'on a déjà fait la route normale, la route pacifiste, et donc la route génocide. C'est pour ça qu'il nous dit qu'on a tout vu, tout fait, j'imagine. J'ai une seule question pour toi, Cédou. Comment as-tu fait pour revenir aux ruines depuis ici? Attends, je sais. Elle a dû t'emmener quand elle est partie. Elle a dû t'emmener quand elle est partie. Je suis un glouton barjo. Ouais. Comment il va, le Revo? Non, seulement cette route. Ok. Il a décidé de te donner un enterrement digne de ce nom plutôt que de te laisser traîner dans ce sous-sol pour toujours. Cesterian, même dans toutes les routes. D'accord. Mais pourquoi alors? Qu'est-ce qui t'a fait te réveiller? Tu m'as entendu t'appeler? Il me semble qu'à la fin, pacifiste, il a mentionné que le reset efface la mémoire. Ouais, sûrement. Ça va. Et toi, t'en chies pas trop ce soir? Pour le moment, c'est assez calme. Mais quand on va arriver à Sans, je vais commencer à me tirer une balle. Peu importe. Je n'en peux plus, c'est doux. J'en ai assez de tous ces gens. J'en ai assez de tous ces endroits. J'en ai assez d'être une fleur, c'est doux. Il y a toujours une dernière chose que je veux faire. Finissons ce que nous avons commencé. Libérons tout le monde. Et ensuite, laissons-les voir le vrai visage de l'humanité. Voir que malgré tout dans ce monde, c'est toujours tuer ou être tué. Ah. Elle craint cette fleur. Ah bah oui, bien sûr. Et après, eh bien, je réfléchis à plusieurs façons d'utiliser ce pouvoir. Mais te voir ici m'a fait changer d'idée, c'est doux. Je pense que si t'es là, vivre à la surface n'est peut-être pas si mal. Ça ne c'est pas dur, les gens. Ouais, mais je sais pas, vous êtes tous en train de me foutre une pression de malade. Donc je me dis que si, en fait. On n'a même pas besoin de partir pour en trouver cette fois. Les gens en garde, six enfermés dans un coin. J'ai essayé de centaines de façons différentes pour qu'ils me les montrent. Mais il ne veut vraiment pas. C'est doux. Je sais qu'il le fera pour toi. Ouais, il parle des autres âmes, ça, en fait. Faux, c'est le plus compliqué du jeu. Bah oui, j'en doute pas, tout me fout la pression. Pourquoi je te raconte tout ça, c'est doux. Je l'ai dit tout à l'heure. Même après tout ce temps, il n'y a vraiment que toi qui puisse me comprendre. Tu n'auras aucune pitié, inutile. Je sais pas ce qui se passe, mais je te soutiens. C'est gentil, merci beaucoup, Eiffaz. Des créatures comme nous n'hésiteraient pas à s'entretuer si elles se barraient à chacune... si elles se barraient à chacune la route. Oui, d'accord. Alors,
Alors, c'est pour ça que... Merci beaucoup, Tretti, pour le follow. Bienvenue à toi, du coup. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, hein, c'est l'extension du chat. Comme ça, t'as aussi les notifs de live, de vidéos YouTube, etc., etc. Donc n'hésite pas surtout à nous rejoindre. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Puis bon, Sans est l'ennemi le plus faible du jeu. Je commence... Vous êtes en train de vous contredire, je sais plus où me foutre. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je tremble? Et c'est nous sans rancune pour la dernière fois, hein. Et qu'est-ce que tu fais? T'approche pas. Ok. J'ai changé d'avis à propos de tout ça, c'est plus une bonne idée. Tu devrais repartir, Cédou. Cet endroit est très bien comme il est. Arrête avec cette tête flippante. C'est pas drôle. Ça tourne vraiment pas rond dans ta tête. Ah bah non, ça tourne pas rond, non. Il y a un point de sauvegarde là ou pas? Non, il y a pas de point de sauvegarde. J'ai pas Discord. Tout à part YouTube. Bah, il me semble que si tu fais point d'exclamation, soit YT, soit je sais plus en fait. Attends, point d'exclamation RS peut-être. Hop. Voilà, là t'as le Linktree avec tous les liens des différents réseaux sociaux, donc choisis celui que tu utilises en fait. Hein, si ça t'intéresse, bien évidemment, zéro obligation, bro. Sauvegarde. Oh non, c'est maintenant? C'est maintenant, Sans? C'est maintenant qu'on en chie, c'est ça l'idée? Oh putain, j'ai pas envie. Bon, j'ai sauvegardé, hein. Oh putain, non! Je vais poser la manette, hein, je crois que je vais commencer à la manette et je vais voir. Sinon, je le fais au clavier. Comme pour Undyne. Lui. T'en as mis du temps, dis-moi. Bon. Et le pire, c'est que je commence vraiment à flipper. Laisse-moi te poser une question. Crois-tu que même la personne la plus ignoble puisse changer? Que n'importe qui peut devenir quelqu'un de bien en y mettant du sien? Allez, je continue à avancer. Très bien, alors. Laisse-moi te poser une meilleure question. Tu veux vraiment passer un sale quart d'heure? Parce que si tu fais encore ne serait-ce qu'un pas en avant, tu vas vraiment t'en mordre les doigts. Meurs pas trop vite, au moins, c'est un ennemi faible, ce serait la honte. Pourriture. Merci pour le leurre, Clesson. Bon, apparemment, c'est parti pour 5 jours de jeu. Oscar. Et pourquoi t'as avancé? Je voulais pas, moi. Ouais. Désolé, ma vieille. Voilà pourquoi je promets jamais rien à personne. Oh putain. Belle journée là dehors. Les oiseaux chantent. Les fleurs s'épanouissent. C'est par des jours comme ça qu'un mioche comme toi devrait brûler en enfer. What the fuck is the... What the... What? C'est quoi ce qui... Vous êtes sérieux là? Le matin est là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est d'où carte ta détermination? Hein? C'était quoi cette connerie? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Non, je joue au clavier, c'est à cause du clavier. C'est à cause du clavier. Allez, je vais prendre le clavier, ça va pas se passer de la même manière. Attendez, hop, voilà. Très bien, je suis chaud patate. Qu'est-ce que c'est que c'est? Mais jamais de la vie, je vais le passer, mais c'est impossible. Mais c'est impossible que je le passe. Arrêtez vos conneries. Comment on m'avait dit qu'on pouvait passer les dialogues rapidement déjà? Je crois que c'était shift entrée. C'est ça. J'ai même pas eu le temps d'entendre la musique. Allez, c'est parti pour le soutenir. Mais non, mais au secours. Okay. Mais c'est impossible. Mais comment tu veux que je fasse? Tu peux skip le dialogue avec X et Z. Ouais, ouais, c'est pas mon plus gros problème, là, je t'avoue. Va falloir apprendre les patterns par cœur, let's go! Mais c'est impossible! J'ai même pas entendu la musique! Vous vous rendez compte que la musique n'a pas démarré, que je suis déjà mort?
C'est je dois dormir tôt, moi, mort de rire. C'est mort, et de toute façon, on continuera jeudi, hein. Cherchez pas, on continuera jeudi. Hein. Je vais pas continuer maintenant, enfin, on va essayer pour le principe jusqu'à 23h, mais comment c'est possible? Je pensais que ça allait être un minimum gérable, entre guillemets. Je me suis dit, il va avoir un minimum de façon de gérer le truc. Ok, là c'est là. En haut. Ah! Je me suis toujours demandé pourquoi personne démarrait par un coup fatal. Enfoiré! J'ai un PV! T'as des phases custom selon ton nombre de morts. Mais non! T'es sérieux? Ah bah ça y est, on y est, Megalovania. Tu sens que tu vas passer un sale quart d'heure. On va se heal, on est d'accord? Je me heal instant, là. Parce que si on s'est foutu. Si t'as pas save, tu pourras aller relire. Ah putain, non mais franchement, je suis en flip, là. Hein. Je me heal, hein. Allez, je mange un steak, hein. Oh, mais what? Mais c'est quoi ces conneries? Ah bah Megalovania, on va pas l'entendre beaucoup, hein. Moi je te dis tout de suite, Typhaz. Ouais, non mais là, voilà, à un moment, faut arrêter les... Enfin, comment dire, faut arrêter les conneries, à un moment. Déjà, Undyne, je trouvais ça un peu pété. Mais alors là, bon... À un moment, je veux bien être gentil, mais bon... Ah, j'ai un PV, c'est parfait. Alors, juste pour rire. Hein. Franchement, mais c'est une horreur. Pourquoi ne pas en profiter pour te la couler douce? Bon bah, si vous voulez, je vais pas tout de suite attaquer. Je vais attendre un petit peu. Voilà. Enfin, je vais faire... Juste, voilà, on va attendre un tout petit peu pour que vous puissiez profiter de la musique. Puis on va... Voilà, hein, tranquille. Ça va, vous, sinon? Prends une tarte et prends des tartes. Allez. C'est parti, hein. Vous mangez la tarte caramel PV entièrement restaurée. Ok. Ok, ça passe. Bon bah, j'attaque. Raté? Quoi? Tu croyais que j'allais rester planté là à manger tes coups? What? Mais les bâtards! Mais what? Oh! Putain, mais. Wow. Non, au clavier, les sauts, c'est pas gérable pour moi. Je lui dis tout de suite, les sauts au clavier, c'est une horreur pour moi. Sans n'a qu'un PV! Si tu prends des gros heals, fais gaffe au PV empoisonné. Ah ouais, bah je viens de voir, ouais. Mais attends. Vas-y, j'attaque, mon fou. Mais tu peux pas le tuer! Nos rapports indiquent une anomalie dans le continuum espace-temps. Les lignes temporelles s'entremêlent, s'arrêtent et repartent. What the fuck is going on? Oh, c'était bâtard, ça. C'est un mythe, ce Sans PV. Par contre, le 1 de défense et 1 d'attaque. Ouais. Ouais, c'est chaud, hein. Je vais réessayer à la manette, en vrai, pour une raison. Pour les sauts. J'arrive mieux à les gérer à la manette, les sauts. Donc on va réessayer à la manette. Vous le jouez comment, vous, le jeu, d'habitude? Plutôt à la manette ou plutôt au clavier, en vrai? Oh, ça va être méga chaud, les potes. Hein. Je vous dis tout de suite, ça va être ultra louche. Parce que je vois pas comment... Je crois avoir compris. Je crois avoir compris. Manette? Ok, ça marche. Ça marche, Reti. En gros, je peux pas le toucher en l'attaquant. Il va falloir... En fait, ce qu'il va falloir, c'est que je reste en vie, juste. C'est ça, l'idée?
clavier, mais je joue le format qui convient le mieux au jeu. D'accord. Donc, en gros, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est juste esquiver ses attaques et rester en vie le plus longtemps possible. C'est ça le délire avec... C'est ça le délire avec Sans ? Die and retry, parce que je peux pas le tuer, hein, a priori. On y retourne. Oh putain, le... Aïe, voilà, ça c'est fait, next. Tu vas mourir, mais t'apprends. Ouais, bah là j'ai même pas réussi à passer le premier pattern à la manette. C'est propre, c'est propre, c'est très très propre. Superbe run. Au secours! Mais au secours! Jusqu'à finalement porter le coup... Ouais, c'est ça en fait, il va falloir que je réussisse à encaisser jusqu'à ce que je puisse l'attaquer en vrai. Si je comprends bien. Mais du coup, ça me sert à rien de l'attaquer. Ça sert à rien. En gros, quand le bouton d'attaque, il me sert à rien, on est d'accord? On y retourne? Ouais, ouais, moyen chou hein, pour retourner, hein, je t'avoue. Hein. Là, ici. Ok. Jusqu'à... Ben, si tu l'attaques pas, ça avance pas. Ah! C'est parti. Mais j'ai 5 PV, là. J'ai 1 PV. Putain, j'ai 1 fucking PV. Alors là, je comprends pas trop la strat. On va y aller à l'arrache, j'en ai rien à foutre. Pas les nouilles. Ma tarte. Ouais. Oh non, c'est comme ça que ça se gère le saut. Alors en fait, c'est mieux au clavier, hein, je pense. Non. Putain, ouah, c'est hoche. En gros, là, il vaut mieux que j'attende que je sois arrivé à zéro. Les nouilles il 90 PV Vanilla, d'accord. Elles sont meilleures crues, PV entièrement restauré. Ok, c'est génial. Putain, c'est génial. Je crois avoir compris celui-là. Ok, raté, super, génial. 94 si tu as la poêle, d'accord. Quoi, tu croyais que j'allais rester planté là, manger des coups? Ok, super. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est génial. Oh, oh, ce que ça va être dur. Non, je vais pas laisser, je vais pas le faire à la manette, je vais le faire au clavier. Je vais le faire au clavier. En vrai. Non, non, j'ai compris ce qu'il fallait faire. J'ai pas dit que j'avais compris quand... Enfin, j'ai pas dit que je réussissais à l'exécuter, hein. Attention, hein. Mais j'ai compris ce qu'il fallait faire. Quand ta barre est violée, tu prends des dégâts. Oui, ça, j'ai compris, t'es en poison. Donc, en gros, ça sert à rien de heal, parce que ça va redescendre. Le poison s'annule uniquement quand t'es plus qu'à 1 PV, si j'ai bien compris. On y retourne. Putain, j'ai pas envie. Hein. Putain. Oh, c'est tellement ouche. Parce que là, je suis plus qu'à 1 PV, en fait, en gros. C'est parti. Objet. Si maintenant, je prends genre la tarte, tu vois. Voilà, là, je suis bon. Ah, c'est au hasard. Non, c'est des PV fixes empoisonnés. Oh, putain. Ok. Donc là, je suis obligé d'attaquer, en fait. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Si je veux faire continuer, avancer le combat en fait. Ok, raté. Pas dans quel sens là? Merde. Oh, mais ça, celui-là je le connais en plus, il faut pas bouger, mais putain, faut trouver le bon timing. Genre, t'as 34 PV, t'as une partie fixe empoisonnée. Ouais, super. Si tu laisses vider, il arrête de. Et si tu laisses vider, il arrête d'empoisonner. Ouais, c'est ce que je disais, si tu reviens, t'arrives à 1, en gros, voilà, il n'y a plus de poison, là. Oh. Putain. Ok. Nos rapports indiquent une anomalie du contenu. Ouais, ok, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oh le bâtard. Ok, ça passe. Toujours raté, c'est génial. Jusqu'à ce que soudainement tout prenne fin.
On est parti sur un platformer. Putain, c'est génial. C'est génial. Putain. J'ai heal. On va prendre un steak, hein. Merde. Oh, merde. Putain. Non, je veux pas me heal. Pardon. Putain, toujours raté. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on passe une de ces attaques, il y a un nouveau dialogue qui se débloque. Et donc, automatiquement, quand il y a un nouveau dialogue qui se débloque, c'est-à-dire qu'on avance, j'imagine, dans le combat. Donc, il va forcément esquiver jusqu'au moment où je vais réussir à le toucher, si je comprends bien. Comment ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? C'est toi qui es derrière tout ça, pas vrai ? Putain. What the fuck, putain. Oh, wow, celui-là, il est dur. À peu de choses près, oui. Ouais, c'est ça, hein, c'est ce qui me semblait. Hey, on est... Hey, franchement, on est déjà allé plus loin. Au final... Bon, c'est pas si mal. David, coup des neuf. Au moins, on a déjà vu un peu plus loin. Il est long comme boss, en vrai. Respire, Ced. Je donne tout ce que j'ai, hein, Ephase, mais... À mon avis, on va se retaper un sacré live jeudi. Hein. 4h30 environ, et toi t'es bon en plus à Starian, c'est ça le truc. Donc 4h30 pour toi, ça fait à peu près 24h pour moi, c'est ça. Hein. En non-stop. Et je suis pas bon en plus, ouais, alors imagine-moi. Oh non! Mais au secours, putain, je suis nul! T'inquiète, c'est vachement déterminé. Ouais, c'est ça. Ok, allez. Là. Putain, j'ai tout loupé. C'est dur à doser le saut. Hein. En fait, peu importe que je mette au centre ou pas mes trucs, ça sert à rien. En fait... Faut que je réussisse à comprendre comment ceux-là je peux les esquiver. Oh, c'est ultra bâtard comme truc ça. Je m'en suis mieux sorti tout à l'heure. Hein. Là, là c'est chaud. Hein. Je me heal à chaque fois quoi. Ok, celui-là ça va. Ok. Là, c'est nouveau le truc avec les sauts. En fait, pour moi, c'est très bizarre. Je viens de Mario hein, pour les sauts. Donc, c'est très bizarre d'appuyer sur la flèche haut pour sauter plutôt que sur un bouton. Oh, les bâtards. Oh, les bâtards. Putain. Ok. Encore esquivé, putain. Jusqu'à ce que soudainement tout prenne fin. Ah bah là j'en avais chié. C'est là où je suis mort. Moi je suis un connard. Je suis un connard. Oh, celui-là je le comprends pas. Oh, celui-là je le comprends pas du tout. Ouh. Eh bah dites-moi. Nous voilà bien. Moi je me demande s'il faudrait pas que je m'entraîne demain. Hein. Avant le live, hein, parce que... Non, en vrai, je vais le faire legit, je vais le faire en live. On va en chier ensemble. Oh, en tout cas, ça va être costaud, là. Hein. Ça va être très compliqué. Hein. On y retourne, j'ai pas envie. Bien. Est-ce qu'il y a un safe spot au début? Vous savez, un spot où le truc, en comme ça, il peut pas nous toucher. Où faut obligatoirement bouger. Ah, moi je demande des conseils, j'en ai rien à foutre. Hein. Non, mais j'arrive pas à doser le saut avec le clavier. C'est très dur. Ouais, je perds du temps là, putain. Oui, instantanément.
Oh. Oh non, mais... Putain, mais je suis un connard. Ouais, tant pis. Au secours. Hein. Bah, je suis mort, là. Oh, j'étais clairement mort, là. Oh, oh je pleurais déjà sur Undyne, mais au moins, il y avait une certaine logique, entre guillemets, de pattern à apprendre. Là, comment dire... Le reste, ça demande de la technique. Ouais, ok. Bah, yes. Yes, on est bien, là. Alors, je remercie chaleureusement, bien sûr, Noah, hein, qui m'a proposé la route génocide. Alors qu'on avait déjà fait le jeu tranquillement dans les deux autres manières. Hein, je voilà. Voilà, je remercie chaudement, voilà, Noah, bien sûr. Merci à toi. Au secours. Allez, go. Dommage. Ok. Le deuxième, c'est lequel déjà ? En vrai ? Oh, c'est chaud. C'est super chaud. Là, je vais mourir, j'aurais dû me heal. Hein. Ah, quoique, celui-là, je peux peut-être essayer de le faire. Ah bah non, bah non, non. Non, je croyais que c'était un autre. Je croyais que c'était un autre pattern, autant pour moi. Oh. Waouh. Plus je meurs, en plus fou de ma gueule. Parce qu'au début, il change ses phrases. Plus je meurs, plus fou de ma gueule. Cette expression. C'est celle de quelqu'un qui vient de clamser 10 fois de suite, et pas mal, on passe à 2 chiffres. Allez, on n'a plus qu'à inviter tous tes amis pour fêter ça. On mangera de la tarte, des hot dogs et... Attends un peu, il y a un truc qui va pas là. T'as aucun ami. Voilà, voilà. Même le jeu se fout de ma gueule. Putain, c'est chaud. Je suis obligé de prendre la tarte, parce que si je me fais touch au début, de toute façon, je suis baiseille. Ok. Celui-là, je commence à avoir un peu le truc dans les pattes, même si j'en ai mangé. Oh putain, celui-là... Je suis sûr qu'il est pas compliqué, en plus. Celui-là aussi il est faisable. Celui-là aussi il est faisable en vrai. Ok, celui-là je l'ai compris. J'en ai compris un. Ok. Mais non! Ok, celui-là aussi je l'ai compris. Même si j'ai morflé. Steak. Allez hop. On y retourne. Là on est pas mal. Non! Ok. Encore raté. C'est toi qui es derrière tout ça, pas vrai? Ah, je l'ai passé. J'ai pas encore vu les autres. On va se heal. Au moins, on voit un nouveau pattern. Ah, et moi, ma force, elle augmente, mais ça sert à rien. What, c'est quoi ça? En vrai, celui-là, ça va. En vrai, celui-là, il est pas si horrible. Faut que je vois un maximum de patterns, en vrai. Sans commence à bouger de façon erratique. Oh, mais j'ai plus de vie, moi. J'ai plus de quoi me soigner, pratiquement.
Oh non. Oh, what? Mais comment tu le fais celui-là? C'est le même qu'au début mais en dur. Wow. Je vais plus avoir de quoi me heal hein. Ça va être la mort les potes hein. What? Ah bah oui. En fait. Allez, c'était mon dernier heal, mais au moins on voit le maximum de patterns, c'est déjà ça. Bah, de toute façon, là, il me reste plus rien. Tu sens tes péchés peser sur ton dos. J'ai plus de heal, j'ai plus rien. On est obligé de le faire à l'arrache. Si seulement tu savais ce que ça fait. Ouh. Ok. Ok, ok, ok. On a vu quand même pas mal de patterns. Effectivement, ça va demander beaucoup de précision. Ça va demander beaucoup, beaucoup de précision, cette connerie. Bon bah... On y retourne, hein. De toute façon, jeudi, on commencera plus tôt, les enfants. On commence à 17h, donc... En vrai, jeudi, on commencera un peu plus tôt, ce sera plus simple, parce que là, je vois qu'on est... On est trois... Je fais encore un ou deux try, et puis on s'arrêtera là, parce qu'on est plus que trois, de toute façon. Il est tard, il est 23h, donc les gens sont moins là. On commence à 12. C'est génial, vas-y, foutez de ma gueule, Sans, vas-y. J'ai bien esquivé le début, mais j'ai pas, j'ai mangé le la deuxième phase. Allez go. C'est pas facile à doser le saut. Hein. En fait, il faut à tout prix attaquer pour pouvoir faire avancer le combat. Hein. Alors celui-là, faut que je le comprenne. Au secours. Celui-là ça va en fait. Celui-là il est simple. Il paraît compliqué parce qu'il y en a un qui vient plus vite que l'autre mais il est au même endroit. Donc au final il touche au milieu au même endroit. Donc ça va. En vrai ça va. Ok. Donc celui-là il est plutôt simple. Faut que je fasse ça. Faut que je me dépêche comme ça. Là ici j'attends. Voilà. Et là je me balance. Et c'est bon. Celui-là il est ok. Celui-là il est ok. Il est compris. Non. Eh merde. J'ai fait le con là. Allez on mange le steak. Mais du coup j'attaque pas, on avance pas le combat là. Oh putain je vais pas assez vite là. Mais non. Oh je fais n'importe quoi. Je suis pas sûr que ça fasse avancer le combat cette histoire hein. Quel con. Mais quel con. Courant. Ah, je crois que ce sera le dernier try en vrai. Bon celui-là ça va. En vrai celui-là il est pas dur le premier. Allez. Oh je suis débile. Oh au secours. Ouais, on va s'arrêter là les enfants, hein. De toute façon il est déjà 23h. On continuera jeudi. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Bah si si, c'est ce que je vais faire, tu vas voir. Hein. Tu vas voir mon pote. C'est bien ce que je vais faire. Bon de toute façon on a sauvegardé déjà, voilà, puisque ça me remet là automatiquement. Une dernière, allez, une dernière, vraiment pour te faire plaisir à ce moment-là. Tréti. God, please, no, no, no. Si, si, on reprendra jeudi à 17h, quand je serai un peu plus frais en plus. Puis on va tartiner ça jeudi tranquillement. Hein. Et une dernière pour te faire plaisir. Donc là, au centre, en haut, au centre, en haut. J'ai quand même morflé en fait. Tarte, voilà. Ok. Non, je vais pas me heal, du coup, je me suis pas trop mal démerdé sur celui-là. Ok. Allez, let's go. En fait,
Ouais, celui-là il est dur. Hein. J'arrive pas à trouver le bon. J'arrive pas à trouver le bon spot. Et... Du coup, c'est compliqué. Celui-là, ça va maintenant, j'ai compris. Donc ça, ça va. Ouais. Celui-là, il est simple. Ok. Merde, trop. J'ai été trop gourmand. J'ai été trop gourmand sur celui-là. Prendre le steak. Ah putain. Celui-là, je crois avoir compris où est-ce que je peux me mettre pour être à peu près safe. Ah, quel con. Merde, quel con! Allez, heal. Ok, celui-là ça va aussi. Ok. Non. Non, putain. Et là, c'était le dernier try. C'était le dernier try, les enfants. En vrai, je commence à comprendre certains patterns au début. Mais en fait, comme c'est vachement basé sur les sauts, je commence à me demander si je devrais pas tryhard à la manette. Avec le joystick, c'est peut-être plus gérable, en fait. C'est peut-être que les flèches directionnelles. Je sais pas. Je me rends pas bien compte, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus gérable. Donc, on va s'arrêter là, les enfants, de toute façon. Tant pis, jeudi à quelle heure? 17h jeudi, Tredi, de toute façon, si tu regardes, t'as le planning sur le Discord. Et... Ah non, t'as dit que t'étais pas venu sur le Discord, je sais plus. Je sais plus qui n'est pas venu sur le Discord. Mais en tout cas, dans tous les cas, voilà, c'est jeudi. N'hésite pas, 17h. Voilà, jeudi 17h. Et au pire, sur la page Twitch, je l'ai mis. Je l'ai mis dans planning. Ouais, c'est ça. Tu vas sur la page de la chaîne, tu vas dans planning et tu as justement l'heure. Donc t'inquiète pas. Et tu auras une notification, hein, de toute manière. Bah, allez, on va s'arrêter là. Hop, un petit Alt F4 des familles. On va repasser sur la scène full cam. Rapidos. Voilà. Eh ben, c'est ce que j'avais prédit. Hein. C'est ce que j'avais prédit. On refait le même schéma. Ok, au revoir, ça marche, des zoubis. Merci encore pour le follow. Merci d'être passé, Tretti. À jeudi, du coup. C'est ce que j'avais dit. Hein. Ce live-là, au final, bah, c'était un live de... on fait ce qui se passe entre Undyne... Et Sans, et on arrive à Sans, et puis voilà quoi. C'était un peu ce que j'avais prévu. Et puis c'est jeudi qu'on va roter du sang quoi, normal, la base. Au secours. Tiens, je suis là pour le bonne nuit, exactement. On est arrivé à Sans, hein, Sion, hein. On a commencé. Ça va être dur. Ça va être très 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 dur, mon pote. Vraiment, ça va être très 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 dur. Je sais pas comment on va s'en sortir. Mal, sûrement. Très mal. Ah ouais, je suis au boss depuis, je dirais, une petite demi-heure. On a fait une petite demi-heure de boss, là. Alors, de nouveau, vous voyez, c'est marrant. Je regarde, là. On est mardi. Bah, et alors ? Bon, mercredi, sûrement, on va essayer. Dimanche, tu devrais l'avoir. On verra ça. Vous voyez, là, par exemple, de nouveau, je vois que dans les viewers, on est deux, par exemple, d'affichés. Mais si je regarde de nouveau, encore une fois, hein, c'est bizarre. Hein. Si je regarde de nouveau dans la liste des personnes sur le chat, je vois Kitty, je vois Lynn, je vois Revo, je vois Shredding, je vois Astarian, forcément. Betalda, je sais pas si c'est un bot ou pas un bot, en vrai. Je veux pas insulter si c'est une vraie personne, donc je ne dirai rien. Mais le compte m'a l'air assez jeune. Et Tretti, donc Tretti qui va partir, donc il sera plus dans la liste. Mais on devrait quand même être plus au niveau du compteur, donc ça me paraît bizarre, encore une fois. Shredding, si tu m'entends, tu peux lâcher un message dans le chat, je voudrais tester une théorie.
Alors peut-être qu'il a pas mis le son et du coup ça compte pas le lurk aussi. YouTube, tu fais un live mercredi? Non, pas du tout. Pas du tout, Thierry. Je fais pas de live sur YouTube. Je fais uniquement du live sur Twitch. Le mercredi, c'est mon jour... En gros, j'ai en jour off dans la semaine le lundi, le mercredi et le samedi. Et tous les autres jours, je stream. Voilà. Non, mais je pense qu'il a pas mis le son. Je pense qu'il a pas mis le son. Et en fait, je pense vraiment que c'est ça le truc avec les lurks que vous me mettez. S'il n'y a pas le son, c'est pas pris en compte. Je pense vraiment que c'est ça, en vrai. Parce que là, j'ai un autre logiciel qui me permet de voir le chat et de voir également le... Bah, du coup, qui est dedans. En direct. Hein. Et là, je vois clairement qu'il y a Kitty, qu'il y a Lynn, qu'il y a Revo, qu'il y a Shredding, qu'il y a Astarian, qu'il y a Treti. Donc ça me paraît bizarre, si tu veux. 17h, tu streams tous les jours. Alors, non, le mardi, je stream donc à 20h30, le dimanche, c'est 20h30 aussi, et le jeudi, vendredi, c'est 17h, Treti. À la prochaine, du coup, Astarian, encore merci pour le follow, ça fait extrêmement plaisir, merci du soutien, mon pote. On va essayer de pas trop être dégueulasse. Merci beaucoup, Astarian. Ouais, ça va être dur, hein. Il a pas Discord, il va pas sur Discord, c'est pour ça qu'il est pas dessus. Quand je dois lurk, je laisse le son du stream sur le player, mais je coupe le son de la page directement via le navigateur. Je crois que ça marche plus, ça, Revo. Je crois que ça ne fonctionne plus, ça, maintenant. Et moi aussi, je fais ça d'habitude, mais il me semble qu'il faut que la page de Twitch soit active. Donc même si tu mets genre à 0,1% de son, je pense que ça marche. Mais si tu coupes sur le navigateur, je pense que ça marche pas. Parce que là, je te le dis, hein, j'ai la liste des gens. Hein. Techniquement, on est 4, là, tu vois, sur le compteur. Bizarrement, ça a augmenté quand t'as parlé et quand Astarian a reparlé aussi. Là, je vois que le son il s'est affiché, tu vois, dans ma liste, j'ai, comme encore une fois, hein, Kitty, Lynn, toi, on crève, Shredding, Sion, Astarian, Treti, qui techniquement serait actif. Ok, à la prochaine, te fail pas cette fois jeudi. Bon, ciao, ça marche, Treti, merci du soutien et des oublis, mon pote. Merci beaucoup. Donc ouais, je pense que le lurk, ils ont commencé à réviser le code de Twitch pour le lurk, parce qu'ils se sont dit que c'est un peu trop pété comme technique. Et c'est pas legit. Je pense que voilà, il faut faire... Faut vraiment ne pas couper le son du tout de la page et laisser le son vraiment en fond, même si vous le mettez à 0,1. Sinon, je pense que ça marche pas. Je vais tout donner, Treti, t'inquiète. On va y arriver au bout d'un moment. Pour un peu, faut que la fenêtre... Ouais, je pense que la fenêtre, elle doit être active un minimum. Je pense, en fait, Sion. Je pense aussi. Donc, ça devient compliqué comme tactique, je pense. Et j'aimerais bien que le shredding... Lynn, est-ce que tu m'entends, Lynn? Est-ce que tu peux lâcher un message dans le chat, juste pour vérifier une théorie? Ouais, je pense que les orques sur les autres onglets marchent pas. Je pense aussi, Sion. En fait, plus que l'intérêt... En fait, déjà, l'intérêt du lurk, forcément, pour moi, c'est d'avoir plus de visibilité, donc automatiquement, c'est intéressant. Mais même sans parler de ça, pour tous les autres potes streamers que j'ai, j'aimerais bien savoir si mon lurk, à chaque fois, il fonctionne ou pas, pour filer un coup de main, et savoir si... Et puis le dire surtout aux autres, en fait, comment ça fonctionne exactement. C'est bon. Ça m'intrigue, en fait, cette histoire. J'étais sur mon tel, là, j'avais coupé le son, mais laissé la vidéo, bah t'étais plus dans le chat. T'étais plus affiché dans le chat, Sion. Tu viens de te... Quand t'as commencé à reparler, là, ça s'est réaffiché. Tu t'es réaffiché dans le chat. Je pense que t'es pas comptabilisé, du coup. Parce que, encore une fois, j'ai un deuxième logiciel. Celui qui me permet... qui vous permet de m'envoyer des sons via les points de chaîne. Il me permet d'avoir le chat, plus... En plus de ça, je vois les gens directement dans le chat, aussi. Et, t'étais plus affiché. Donc, je pense que ça le cut. Bah ouais. Je comprends, Sion, je comprends. Mais du coup, j'essaye surtout... Moi, je suis intrigué par savoir comment ça fonctionne exactement, en vrai. Je vais essayer... J'ai pas de Discord ouvert. Non, j'ai pas de Discord ouvert. Sinon, j'aurais demandé à Shredding, mais Shredding, il va pas m'entendre. Il va pas me voir. Même si je lui demande sur Discord de lâcher un message, il va pas le voir, je pense. Bref.
On verra ça une prochaine fois. On est 4, je sais pas qui est-ce qui est en live. Je vais regarder qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement... Ah, on est même plus que 3. Oh, on va peut-être pas faire de raid. Non. Je regarde qui est-ce qu'il y a, mais... Je vais juste vérifier un truc. Un petit truc. Hop. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ok, ça marche. Bon bah écoutez les enfants, je vais pas faire de raid, on est plus que 3, ça sert à rien pour le coup. Je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite à tous la bonne soirée. Je vais aller unmetal dans mon lit en attendant que la petite s'endorme, pas de soucis. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuitée. Je vous donne rendez-vous jeudi 17h pour la suite du coup de Undertale. On s'attaque à Sans pour la... voilà, pour la peau de bon. On va en chier mais on va y arriver. Sur ce les enfants, des zoubis et à jeudi. Tchuss !